L'art de disséquer, de retourner l'actualité sous toutes ses coutures, c'est aussi la magie de la dialectique constructive en vue d'une Guinée nouvelle. FIM FM, le supplément d'énergie positive pour une Guinée émergente et vertueuse. FIM FM, le supplément. Le débat politique ne s'arrête pas sur FIM FM. L'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Ibrahima Khalil Diallo. Nous sommes samedi 7 janvier 2023. Tout le plaisir encore de vous retrouver nombreux à l'écoute de FIM Guinée. Merci de nous rejoindre dans ce numéro du supplément d'info, la dernière représentation de la semaine. Ici, vous le savez, on aime souvent le rappeler, notre vocation, c'est de vous aider à mieux comprendre l'actualité dans toute sa dimension et sa diversité. Autrement dit, faire de vous les premiers et les mieux informés en Guinée. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 11h. À la une de ce numéro, à la faveur d'une rencontre qui s'est tenue donc hier entre les ministres de l'Habitat, de l'Administration du Territoire et de la Pêche, et les administrateurs territoriaux et les élus locaux de la région de Kindia sur la gestion de la gouvernance locale. Et Maury Kondé, le ministre de l'Administration du Territoire, a fait des annonces. À cette occasion, justement, le ministre de l'Administration du Territoire a demandé aux élus locaux de se préparer avant le 18 février prochain, date d'expiration de leur mandat, car ils seront, tenez-vous bien, tous remplacés automatiquement par des délégations spéciales au lendemain de cette date annoncée par le chef du département de l'administration. Faut-il préciser que ces élus locaux sont tous issus donc du scrutin du 18 février 2018. Comment expliquer cette situation? Maury Kondé est-il dans la légalité? Autant de questions, mesdames et messieurs, et que nous nous posons ce matin au cours de cette émission, le supplément d'infos. Et puis, alors qu'il avait promis de ne pas s'éterniser au pouvoir, le lieutenant, plutôt le colonel Mamadi Doumbouya, ne semble plus pressé d'organiser des élections. Et il tolère de moins en moins la critique. On le sent dans ses discours, dans ses déclarations. Au fil des mois, par exemple, la junte au pouvoir, bien entendu qu'il dirige, a posé des actes qui inquiètent les Guinéens, on en parlait hier, et qui rappellent la dérive autoritaire des régimes précédents. Et lors de sa prise de pouvoir, le 5 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya a été applaudi pour avoir renversé le président Alpha Condé, élu pour un troisième mandat en octobre 2020, après des manipulations constitutionnelles, une répression sanglante et un scrutin à la crédibilité contestée. Le président donc du CNRD, autoproclamé président de la transition, avait motivé son coup d'État, il faut aussi le rappeler, par l'instrumentalisation des institutions républicaines, de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, et répétait à qui voulait l'entendre qu'il allait rendre le pouvoir au peuple de Guinée au terme de la transition. Eh bien, il semble aujourd'hui prendre la même voie que le président qu'il a renversé. Oui, pire, celle du capitaine Nadi Camara, le leader du CNDD, la junte qui avait mené le pays au chaos en 2009 lors d'une précédente transition. De nombreux acteurs de la société civile, des acteurs politiques, sont aujourd'hui soit en prison ou plutôt mis sous contrôle judiciaire. Analyse et décryptage à suivre dans un instant avec nos chroniqueurs. Et puis, c'est la dominante de l'actualité africaine ces jours-ci, si vous ne le savez pas. Le journaliste sénégalais et Papa Alenyan, renvoyé en détention depuis 2 semaines pour des informations de nature à nuire, bien entendu, à la défense nationale, est extrêmement éprouvé par sa grève de la faim. Selon l'un de ses avocats, son état de santé est devenu très préoccupant après son refus de suivre le traitement des médecins à l'hôpital principal de Dakar, où il a été évacué le 24 décembre dernier, a indiqué la coordination des associations de presse qui a même organisé une manifestation au Sénégal, une confédération syndicale, dans un communiqué qui a aussi rappelé les
les actes posés par le régime Macky Sall pour torpiller les journalistes dans son pays. Et bien, pour en parler, c'est Ibrahima Lissa Faya, plutôt, que nous recevons comme invité exceptionnel ce samedi au compte de la rubrique Le Art Talk. Il prendra la parole depuis Dakar. Ça sera aux alentours de 10h30. C'est tout pour les têtes de chapitre de ce numéro du supplément d'infos. À tous et à toutes, excellente réception radiophonique. FIM FM, indistinctement, irréversiblement, tous jetés en pâture et au final, tous condamnés par la commune renommée. Parce que quelqu'un a décidé qu'il en soit ainsi. Friedrich Nietzsche a eu raison de dire « Méfiez-vous de tous ceux en qui l'instinct de punir est puissant. » FIM FM, rempart contre une justice à deux vitesses. FIM FM, le supplément du débat hot, des analyses pointues, de l'information triangulée. Le supplément, c'est aussi des enquêtes fouillées, des interviews choc. FIM FM, le supplément, votre supplément d'âme et de débat tout court. FIM FM, FIM FM, le supplément. Le supplément d'ensemble. Vous nous suivez un peu partout dans les quatre coins du globe terrestre via notre site internet, le www.fimguinée. Merci de votre fidélité. Vous nous écoutez également ici à Conakry dans les cinq communes de la capitale, la modulation de fréquence sur la 95.3 en bande FM. À Mamoun, dans la ville Carrefour, vous êtes également en direct sur 95.0 et sur Fraternité FM chez Sidi Diallo. 98.7 à Siguiri dans tout le Bourré, mais aussi à Cancan, et sur 97.7 et sur l'ensemble donc du réseau synchronisé de Dabo Media. En région forestière et dans le Sankara et à Kindia, c'est Tigui Dankeba, et bien c'est Kanyazik qui relaie cette émission. Merci encore une fois de nous rejoindre. Et puisque le supplément d'infos, ce sont aussi vos avis, l'interactivité, la possibilité qui vous est offerte, bien entendu, de réagir, d'exprimer en toute responsabilité vos opinions par rapport au sujet débattu dans cette émission. Alors, nous vous donnons l'occasion de le faire. À votre disposition, vous avez deux plateformes digitales, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Et sur cette page, vous pouvez laisser tous vos messages qui pourront être collectés et concoctés avant d'être relayés dans cette émission par le colosse Ibrahim Sylla, assisté du Golden Boy Ali Badra Kourouma aux opérations techniques. Sur Tierno Hassan Diaouné, assisté des deux gazelles et appuyé de l'autre côté par le sorcier, pas le sorcier, plutôt par l'homme d'acier, Lancé Sangaré, qui nous accompagne et nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Emmanuel Milimono, Manu, bonjour. Bonjour Khalil, bonjour à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs, bonjour à ceux qui nous suivent depuis la diaspora. Bonjour à tous. Et Khalil Kamara, notre spécialiste des questions juridiques dans cette émission. Je précise que vous êtes journaliste à Nostalgie FM Guinée. Vous êtes également le directeur de publication du site d'information calenews.info. Je crois bien c'est ça. Bonjour. Oui, c'est effectivement cela. Bonjour Khalil, mon cher Omo. Bonjour à Fourekaria. Bonjour à Kamsar, chez mon cher ami Alassane Toulé Diallo. Bonjour à Kirouane. Bonjour à Sibiri Baro. Et précisément à Doumadou chez ma mère. Bonjour à la minière dans le bar café et Mamadouba. Bonjour à tous. Mamadou Boy Diallo, bonjour. Bonjour Khalil, bonjour à tous. Bonjour à tout Kankalabé, Djindji, Gali, Digan, Tchangel, Pello et Dinkoli, Mombea. Bonjour à tous. Bonjour également à mes parents du côté de Dalès et dans l'Abbé. Je n'oublie pas Diaka, hein, du côté de mes beaux-parents. Bref, bonjour à toute la Guinée et surtout à la diaspora. Hein, voilà, des gens qui nous écoutent du côté du Sénégal, du Gabon, mais aussi de la Mauritanie. Aboaka Kondé, le patron du, le directeur de l'information de Sabari FM. Bonjour. Bonjour Khalil, bonjour à la Guinée, bonjour à Fadama, c'est dans Coursa, bonjour à Sursakia, à Ganya, c'est dans Kindia, dans Kolontin, et du côté de Boké, bonjour à Toumbeta, bonjour à Kassapo, bonjour à la communauté guinéenne du côté de Dakar, bonjour à la communauté guinéenne du côté de Libreville, mais également du côté du Ghana, bonjour à toute la Guinée, et bonjour particulièrement à tous ceux qui sont détenus pour leur opinion. Le vieux très très barbu, Ibrahima Sorilin Kontsouma, bonjour. Bonjour à Télémélé, chez Dr Koussiba, bonjour dans les taxis,
Bombona, Magbana, Camion. Bonjour dans les gargotes, chez Ngafatou et Nene Rabi, où nous mangeons tous les jours. Oui, où et nous mangeons, vraiment. Voilà, c'est clair. Et bonjour au surtout ministre là-bas, de l'autre côté là-bas, de la justice. L'endroit que vous connaissez. Et bonjour au président de la transition. Vous dites bonjour au ministre de la justice. Vous savez, il aime tellement qu'on parle de lui. Oui. Et bien, bonjour à Charles Ouette. Bonjour au collègue Mamadi Doumbouya. Et pourquoi ces bonjours particuliers? Nous avons tous à ces deux personnalités. Nous avons tous, à travers, en tout cas, son discours du 5 septembre, adhéré au coup d'État. Peut-être de façon naïve. On a un sujet là-dessus. Là-dessus, oui, non. Aujourd'hui, rapidement, on va évaluer cette transition. Je balais ça. Nous aussi. Parce qu'on était soif de justice. Oui. Quand quelqu'un vient vous promettre la justice, pendant que vous avez vécu dans l'injustice, vous ne pourrez qu'acclamer. C'est comme ça qu'on a été tous trompés. Mais aujourd'hui, je vais parler par rapport aux détenus politiques désormais. Et je m'adresse à Emmanuel Milimono aussi, à qui je dis bonjour. Chaque fois que je dis détention prolongée dans ce studio, il dit ceux qui sont en prison sont dans le délai. Mais ça fait aujourd'hui 9 mois, jour pour jour, que Kassori Fofana, Oyegi Lavogui et compagnie sont en prison. Et pourtant, leur détention devrait être, le mandat c'était 4 mois renouvelables une seule fois pour organiser le procès. Aujourd'hui, on est à 9 mois, 4 mois, 8 mois plus 1 mois. Pendant ce temps, ils n'ont jamais été libérés, ils n'ont jamais été jugés. Et nous, on a cru à ce que la justice nous a dit par rapport aux preuves contre ces messieurs. Si on a applaudi, ce n'était pas parce qu'on était contre eux. Mais on pensait qu'on aurait dû avoir un procès juste et équitable pour quand même que la Guinée ne continue pas à être le pays de la corruption, de la mauvaise gouvernance. J'ai comme impression aujourd'hui qu'on s'est tous trompés. Alors désormais, pourquoi ces messieurs sont gardés en prison? C'est des pères de famille. Bien. S'ils ont détourné, c'est en Guinée qu'ils ont détourné. Si ils ont détourné, c'est en Guinée. Les preuves sont en Guinée. Mais dites-nous, si vous continuez à creuser encore les preuves à Kuala Lumpur ou à Bagdad ou de l'autre côté en Arabie Saoudite ou bien en Australie, est-ce que avoir les preuves de leur détournement, présumé détournement, c'est de la mer à boire? J'ai comme impression qu'on est désormais avec des détenus politiques. Je le dis, j'assume, ces messieurs constituent désormais des détenus politiques. Mais je le dis et je le réitère. Le président, c'est le moment pour lui, en tout cas, de faire son entrée dans cette affaire. Je dis l'entrée, pour ne pas parler d'immixion. Parce que, en tant que président, il est le garant des lois et des institutions. D'accord. Si le délai de détention des citoyens guinéens est largement dépassé, le président doit interpeller son ministre de la Justice, qui est aussi ministre des Droits de l'Homme, pour dire qu'il y a des Guinéens qui croupissent injustement en prison. On n'a rien contre eux comme preuve. Bien. On les détient parce que politiquement, ils sont dérangeants. Merci le règlement de compte Consuma est désormais de mise en Guinée. D'accord. Il faut sortir de ça. On vous en parle plus fort aujourd'hui, on en parle demain vous serez faible. Merci beaucoup Lincoln, le vieux très barbu. Oui Abakar, qu'on devait placer un mot. Je voulais juste dire que ce qu'on a oublié, il y a aujourd'hui un conflit d'agrégation sur les concepts de gouvernance en Guinée. Il y a d'un côté dans le régime actuel les communistes et de l'autre côté les socialistes. Et tout porte à croire que les communistes sont en train de l'emporter sur les socialistes. Ce que sais, en Guinée, Doumbouya est un socialiste. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que les communistes sont plus nombreux dans son équipe, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des actes communistes qui sont plus posés. D'accord, allez. Merci beaucoup Abakar Kondé. Maintenant, on va attaquer les sujets du supplément d'ensemble avec vous. Ibrahim Assor, il a un compte sous moi. On parle du paiement de salaire, par exemple, avec l'extrait de naissance biométrique. L'obtention de tous ces documents administratifs constitue aujourd'hui un calvaire, surtout pour les fonctionnaires. Oui, je prends l'exemple de l'extrait de naissance biométrique dans les communes. Aujourd'hui, tout le pays est presque remué, puisque pour ceux qui doivent avoir les cartes d'identité nationale, il faut avoir l'extrait. Et le calvaire commence où? Au niveau des banques. Quelle banque? C'est Aura Bank seulement qui a l'exclusivité, en tout cas du dépôt des cautions. Mais quand vous venez là, Aura Bank aujourd'hui, pratiquement, constitue un problème, puisque ceux qui viennent pour avoir même le reçu, vous êtes obligé de passer des heures et des jours à attendre votre tour. Pourquoi ne pas mettre en place un autre système qui puisse permettre aujourd'hui aux citoyens de faire ces opérations, en tout cas sans tout ce à quoi on est en train d'assister. Deux, aller au niveau des communes pour avoir l'extrait de naissance.
des citoyens guinéens actuellement se réveillent entre 1h du matin à 4h pour avoir une place dans la file indienne au niveau des communes. Ils y passent toutes les journées. Les documents que nous voulons pour les Guinéens, c'est pour ou contre les Guinéens. Puisque avec cette procédure, j'ai comme l'impression qu'on est en train d'esclavagiser ces paisibles citoyens. C'est pour un document administratif. Vous devez vous réveiller à 1h du matin ou vous présenter à 4h du matin. Passer toute une journée sans que vous ne soyez pris, je crois que c'est des choses qui sont à revoir. On a dénoncé, mais rien, aucun mécanisme n'a été mis en place pour au moins soulager les citoyens ou pour quand même faire de sorte que ces procédures soient un peu, et pourquoi pas, et souples. Mais très malheureusement, Khalil allait à la mairie de Ratoma et ailleurs. Mais vous voyez des citoyens, on dirait des réfugiés, qui viennent pour des simples cartes, qui viennent, qui ont versé de l'argent, mais qui sont incapables d'avoir leurs documents. Aujourd'hui, c'est le cri de cœur dans les quartiers, un peu partout, puisque ces documents sont valeureux, mais leur obtention est devenue un véritable goulot d'étranglement. Sur tous les trois, on a crié, on n'est pas écouté. Les gouvernants, c'est pourquoi ? C'est pour les gouverner. Mais si les mesures que vous mettez en place sont contre les gouvernés ou fatiguent les gouvernés, mieux vaut trouver des solutions pour au moins adoucir oui, mais tout ce que vous faites. Est-ce que cette situation ne s'explique pas par d'autres raisons, simplement sur l'inconsumant ? Quand même, ce sont des documents qui sont vraiment sécurisés. Hein, et pour les obtenir, il y a tout un process qui est mis en place et qu'il va falloir respecter, qu'il va falloir suivre. Et au-delà de tout ça, et pratiquement tout est concentré qu'au niveau qu'une seule banque. Et ce qui fait que la demande va être beaucoup plus croissante. Et au finish, ça peut créer, engendrer des fois des retards, des petits retards. Alors, dans l'obtention. Al-Khalil, c'est là-bas le problème. Une certaine lenteur, voilà. C'est là-bas le problème. Pourquoi c'est la seule banque qui doit recevoir tous ses citoyens ? Est-ce qu'on ne peut pas étendre cette mesure à d'autres banques pour soulager ses citoyens ? La question reste posée. On a dénoncé, il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit. On n'est pas contre la banque. Mais on est contre le fait de ce monopole au niveau de la banque qui n'arrange pas les citoyens. Au niveau des communes, mettez plusieurs guichets en place. Mais si vous voulez que c'est une ou deux personnes qui reçoivent par jour 500 000 personnes, 1000 citoyens pour les documents, c'est des problèmes. Mettez des mécanismes en place, des procédures de sorte que ceux qui viennent soient en tout cas reçus de façon accélérée dans leur démarche. Mais si vous mettez une seule personne pour recevoir 10 000 personnes par jour, il y a des problèmes. On a dénoncé. On n'est pas contre peut-être l'État guinéen. Mais nous, on prévient. On est pédagogues, nous sommes des acteurs, nous sommes des citoyens. On vit des choses, et dès qu'on voit, nous, on vient dénoncer. C'est pour que les autorités puissent prendre des mesures. Aujourd'hui, si de ce côté, ça ne va pas, mais prenez d'autres mesures pour soulager au moins les citoyens. Mais on dénonce, rien ne s'améliore. Et tous les jours, à son calvaire. D'ailleurs, dans les mairies, même les simples motards aujourd'hui, quand vous venez pour garer, mais même la moto, vous tu payez. Dois payer. Vous payez. Le c'est le cas au ministère de la Sécurité. Mais c'est un peu vous ça. Mon ministère de la Sécurité. Il n'y a pas de parking. Ce n'est pas du tout. Vous garez votre moto. Non, mais on paye à qui ? Vous aurez la parole. Mais on paye à qui ? On paye à qui ? Merci. On paye à qui ? Merci. On paye aux gardes communaux. Merci beaucoup. On paye à ceux qui sont sur place. Merci. Ce n'est pas pour les caisses de l'État, c'est pour les individus. Merci beaucoup, Lenko. Oui, Mamadou Boye. Comment expliquer ce calvaire ? D'ailleurs, est-ce qu'il s'explique ? Est-ce que finalement, ce n'est pas pour la bonne cause ? Pour les bonnes raisons. Écoutez, il faut d'abord se réjouir que les documents en Guinée soient sécurisés, frappés par une opération biométrique. C'est important puisque vous le savez, en Guinée, les documents n'étaient pas sécurisés, les cartes nationales, les cartes grises, etc., etc. Donc il faut quand même se réjouir de ça. Mais de l'autre côté, autant il faut sécuriser les documents administratifs en Guinée, autant il faut faciliter aussi l'obtention de ces documents par les citoyens. C'est important. Orabank a le monopole, l'exclusivité dans le cadre de la délivrance des reçus que vous devez déposer au niveau de la commune pour avoir l'extrait de naissance. Mais cette banque, elle est seule à détenir ce monopole. Est-ce qu'il ne fallait pas étendre cela à d'autres banques ? Parce que moi, par exemple, pour faire ma carte, j'étais obligé, parce qu'il faut être aussi parfois très vigilant, très méticuleux. Vous avez vu la Orabank du côté de Somfonia. Moi, c'est là-bas où je suis parti parce que j'estime que là-bas, il n'y a pas trop de monde aux heures de pointe pour aller faire rapidement le dépôt et avoir ce reçu. Alors que quand vous prenez Orabank du côté de Lambani, eh bien, c'est là-bas. Il y a trop de monde. D'accord ? Donc,
c'était quand même nécessaire de décentraliser les choses, avoir une ou deux banques. Cela permettrait aux citoyens de pouvoir, n'est-ce pas, naviguer entre les trois banques au lieu d'aller faire des files indiennes dans une seule banque. Ça, c'est un premier aspect. De l'autre côté, vous avez reçu au niveau de la banque, vous vous transportez au niveau de la commune pour accéder à l'extrait biométrique avec en toile de fond la prise de photo. Là aussi, vous payez. Mais je pense qu'au niveau de la commune, il faut quand même mettre en place un système, un dispositif permettant quand même de recevoir en même temps plusieurs citoyens. Parce que si c'est une seule personne ou deux personnes, avec tout ce monde qui vient, vous aurez du mal à satisfaire tout le monde. D'où les cris que l'INCO est en train de signaler actuellement. C'est comme le cas aussi au niveau des anciens contractuels. Vous avez vu aussi la grogne à ce côté. Donc je pense qu'au niveau des communes, on doit vraiment faire en sorte qu'un dispositif soit là, qui soit élargi, qui soit en tout cas très grand, permettant de recevoir 5, 6, 7 citoyens en même temps. Cela va décanter au fur et à mesure le nombre de personnes qui viennent. Il y a aussi le fait que ce processus, il faut quand même le savoir, prend un peu de temps. Parce que moi, une première fois, j'avais en tout cas fait la carte. Elle est perdue parce que c'est une pièce sensible, elle peut se perdre facilement. Pour renouveler, vous faites le duplicata de cette carte. Bon Dieu, c'est toute une montagne à déplacer. Parce que là encore, vous partez, vous faites un nouveau versement au niveau de la banque. On vous donne un reçu, vous n'avez plus maintenant à aller au niveau de la commune parce que vous disposez d'un extrait de naissance. Vous vous rendez au commissariat central. Mais bon Dieu, déjà vous êtes dans le système. Parce que quand vous partez au niveau du commissariat, vous avez toutes vos filiations, toutes les données biométriques qui sont introduites dans les machines. Vous êtes déjà dans les bases de données. Il faut encore faire un mois ou plus pour avoir la carte que vous avez perdue. Je pense que là aussi, l'opérateur qui s'occupe, en tout cas de la production de ces cartes, doit aussi faire en sorte que le process soit un peu accéléré. Donc l'un dans l'autre, c'est bien beau, les documents doivent être sécurisés. Il faut que la Guinée aussi, en tout cas, quitte le côté rudimentaire pour se mettre au diapason des documents sécurisés. C'est extrêmement important. Bien. Mais le process, les procédures d'obtention, en tout cas, de ces documents au niveau des citoyens, il faut y réfléchir. Il faut mettre des dispositifs permettant aux citoyens de ne pas trop galérer dans les points dans les communes, mais aussi dans les commissariats. C'est très important. Emmanuel Mimono, est-ce qu'il ne fallait pas aussi mettre en place un mécanisme pour faciliter la tâche, par exemple, aux fonctionnaires? C'est important. Non, mais il n'y a pas de super Guinéen. Non, j'insiste, il n'y a pas de super Guinéen, mais c'est important. S'il vous plaît, quand même, ce sont ces fonctionnaires qui font fonctionner de l'administration. C'est important aussi. Vous avez des Guinéens... Quand un fonctionnaire est absent de son bureau, naturellement, c'est un citoyen qui va en payer le prix aussi, Emmanuel. Vous en avez aussi de la diaspora qui ont perdu des opportunités, qui ont perdu des voyages parce qu'ils n'ont pas pu obtenir ces pièces ici. Mais il n'y a pas de super Guinéen. Moi, je reste d'accord. Sur ça. Y a bien, pas de super Guinéen. Je vous le concède. Que ce même si c'est comme ça, vous voyez ça. Il n'y a pas de super Guinéen, à mon avis. Ce dont on parle, c'est une question qui est globale et qui touche tout le monde. Et je crois que ce qui est important ici à regarder, c'est peut-être comment le système peut être performant au bénéfice de tout le monde. Maintenant, moi je m'interroge quand même. Est-ce que le système informatisé en tant que tel, il appartient à l'État guinéen? Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est un projet qui est sous une sorte de BOT et qui veut dire donc que l'infrastructure n'appartient pas forcément à l'État guinéen. L'infrastructure appartient à un partenaire technique étranger. Ça, c'est une chose. Donc, ça fait que l'accès à la plateforme ne peut pas être comme si vous venez dans un bureau d'un fonctionnaire public pour avoir rapidement quelque chose et continuer. Parce que eux-mêmes, ceux qui font ces cartes, demandent le service à une plateforme technique qui est détenue par un opérateur technique étranger. C'est pourquoi quand vous allez dans ces lieux, notamment dans les commissariats, ils peuvent faire toutes les démarches, ils peuvent faire toutes les procédures, ils engagent, mais pour que la carte sorte, il faut que l'opérateur technique la valide. Et cet opérateur technique, ce n'est pas le commissaire, ce n'est pas le ministre de la Sécurité, c'est un partenaire qui travaille avec le gouvernement. C'est là où se situe justement le problème. Parce que si, par exemple, cette plateforme-là était peut-être la propriété de l'État guinéen, je crois que les choses auraient pu aller plus vite. Ne pensez pas que ceux qui sont en train de concevoir ces cartes font exprès pour les retarder. Non. Vous demandez à ces policiers ou à ces agents qui font le travail, ils vont vous dire, certains peuvent vous dire qu'on peut faire 2 jours, 3 jours, on n'a pas accès au réseau. C'est pas comme s'il s'agit du réseau internet ou le réseau téléphonique, mais le réseau, l'accès à la plateforme technique qui délivre cette carte-là, c'est parce que ce n'est pas pour eux. Quand vous venez, ils entrent les informations, ils les envoient à l'opérateur. Tant que cet opérateur-là, qui est privé,
n'a pas renvoyé, il ne peut pas vous offrir votre carte. Il y a peut-être des goulots d'étranglement sur la ligne, notamment ces questions de corruption où on vous demande de l'argent 10 000, 20 000 à gauche et à droite sur tout le parcours. Ça, c'est autre chose. Mais ça retarde. Je ne suis pas sûr que ce retard-là soit de la volonté de ceux, de ces policiers en tout cas, qui sont chargés de faire ce travail, parce que ce ne sont pas eux qui conçoivent. Ils sont juste des acteurs qui entrent les informations dans un système et le système leur délivre la carte et ils vous la remettent. Tant que le système n'a pas délivré, ils ne peuvent pas vous la remettre et il se trouve que ce n'est pas eux qui force le système envoie quand il est prêt, malheureusement. Mmh. C'est là où peut-être la responsabilité de l'État est engagée dans le choix de l'opérateur qui doit faire ce travail. Vous regardez par exemple le cas également des passeports biométriques. Quand vous faites une demande de passeport biométrique aujourd'hui, la validation, en fait, le système en tant que tel n'est même pas logé en Guinée. Mmh. Ça peut vous prendre du temps. Et la deuxième chose, c'est qu'on vous dit par exemple que l'essentiel de toutes les données concernant notamment la conception des passeports, n'est même pas logé en Guinée. C'est-à-dire les informations des citoyens, c'est même pas sur le territoire de la République de Guinée. Et c'est pourquoi il est important de choisir le partenaire avec lequel on travaille, jusqu'où il est prêt à aller, à offrir une infrastructure, pas seulement sécurisée, mais une infrastructure également efficace, efficiente. Parce qu'on a fixé des délais pour dire aux citoyens, à partir de tel moment, il vous faut désormais telle pièce biométrique. Il faut dans ce cas que le système informatisé soit prêt lui aussi à tenir ce niveau de pression-là pour imprimer les cartes au rythme qu'il faut. Dans les banques, oui, là également, on enregistre du retard. On aurait pu diversifier. Ça aurait même pu être au niveau de toutes les banques. Que le citoyen ait la possibilité, à partir de son compte dans n'importe quelle banque du pays, de prendre de l'argent dans son compte et payer directement. Mais là, quand on vous dit qu'il faut forcément Aura Bank, vous n'êtes pas client de Aura Bank, mais vous êtes obligé d'aller à Aura Bank. À Aura Bank. Tout le monde fait la ruée vers Aura Bank, évidemment. On ça apprend pose, que. Ça pose une non, juste une information. On se complète. On apprend que l'opération est étendue également à FBN Bank. Bon. Ça fait juste un mois. Étant donné que cette banque est nouvelle, donc on peut bien, dire que oui, elle vient d'arriver. J'espère que toute cette publicité, après cette émission, que Cheikh Koudiabaté, le directeur commercial, ne va pas me tendre une facture. Hein. Non, bon, pas allez-y, du tout. Oui, c'est les citoyens. Oui, on est obligé de citer. Oui, c'est important. Dites tout simplement les banques. Merci beaucoup. Étant donné que toutes les banques qui opèrent en Guinée sont connectées forcément à la banque centrale, donc on aurait pu dire tout simplement aux citoyens qu'ils pouvaient faire le versement dans sa banque, la banque où il a son compte. C'est plus facile de venir là où vous avez votre propre compte, de prendre un montant de là et le transférer là où vous avez un reçu. C'est plus simple que de pousser tout le monde vers une banque ou deux banques seulement. Bien. Je pense que ce niveau de pression aussi peut expliquer le retard dans les banques. Bien. Mais de l'autre côté, je rappelle encore, l'opérateur n'est pas guinéen. Les opérations sont certes demandées par les Guinéens, mais les Guinéens ne sont pas responsables forcément du retard. Bien, allez, Emmanuel Milimono, très complet hein, sur ce dossier. Khalil Camara, votre grille de lecture là-dessus. Les difficultés dans l'obtention des documents administratifs en Guinée, elles sont réelles. On ne peut pas les nier. Ce que je déplore dans ces situations, c'est d'abord pour un premier temps, si vous voulez, quand vous partez dans ces services-là, il y a toujours des rapprochements. Il y a toujours des combines. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous devez aller dans une mairie, il faut d'abord avoir une relation, une combine. C'est-à-dire qui vous permettra d'entrer facilement en possession du document que vous réclamez. C'est une réalité. Vous partez au ministère de la Sécurité en ce qui concerne la confection des passeports, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a deux voies. Vous optez pour une voie. La voie rapide et la voie lente. Si vous voulez la voie rapide, vous devez passer par d'autres moyens, c'est-à-dire vous déboursez plus que le prix légal. Maintenant, si vous voulez la voie lente, parce qu'il y a toutes ces personnes, il y a ces négociateurs, ces démarcheurs même, à l'entrée même du service. Donc on vous demande, vous êtes pressé ou vous ne l'êtes pas? Si vous êtes pressé, donc vous devez payer chèrement. Donc si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez attendre très longtemps. Quand vous partez, par exemple, vous parlez de ces monopoles au niveau des banques, c'est réel. Je serais d'accord, évidemment, qu'on essaie un peu de décongestionner la banque qui est aujourd'hui chargée de délivrer ces documents. C'est-à-dire que si réellement l'Aura Bank est aujourd'hui la seule banque qui délivre les documents, qui est en possession, n'est-ce pas? Les reçus, pour aller au niveau des mairies, je pense que ça peut être aussi dans d'autres mairies.
le problème se pose aujourd'hui dans plusieurs secteurs parce que ça affecte même, si vous voulez, le fonctionnement de l'administration. Je vais vous parler du cas des enseignants contractuels de l'AB. Aujourd'hui, ils ont abandonné les cours parce qu'ils sont confrontés à ces problèmes de documents. Ils n'ont pas leurs documents, la carte d'identité biométrique et autres là qui leur sont exigés. Et aujourd'hui, ils sont obligés d'abandonner les cours pour aller faire la queue pour l'obtention de ces cartes-là. Donc, je pense que Tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas mettre en place un mécanisme, et pas parce qu'il y a des super Guinéens, mais au moins pour faciliter la tâche, par exemple, aux fonctionnaires. On peut dire, par exemple, les enseignants. Non. Voilà, écoutez, imaginez quand les enseignants abandonnent les salles de classe. Vous vous retrouvez dans une Rapprocher le service aux administrés, ce n'est pas être super Guinéen. Et puis, nous n'avons pas les mêmes occupations. Là, je parle des enseignants. Les enseignants, s'ils n'ont pas leur salaire, ils ne peuvent pas aller dans les cours, ils ne peuvent pas dispenser les cours. Non, on peut chercher un moyen pour approcher le service, par exemple, à ces enseignants-là, pour qu'ils aient accès, un accès facile bien aux documents dont ils ont besoin. Bien. Mais si réellement on dit que tout le monde doit aller à la banque, tout le monde doit aller à la mairie, bien, parce que c'est comme un recensement. On peut faire le recensement même au niveau des maisons, même au niveau des familles. Donc, ce n'est pas forcé que le citoyen se déplace pour aller faire un recensement ou un enregistrement. Donc, l'État manque de stratégie. Il faut encore chercher plus de stratégie pour essayer de minimiser les difficultés des citoyens. Sinon, avec ces banques aussi, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Je précise que vous avez reçu les excuses de Vista Bank hier soir suite à vos dénonciations dans cette émission. Oui, on va revenir c'est sur important le. On va revenir sur le sujet le lundi si tout va bien. Je vais terminer pour dire que nous sommes confrontés à un problème de personnel dans notre pays, au niveau des administrations. Personnel. Il n'y a pas de ressources humaines ? Non, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Alors ? De moralité. C'est quoi le problème ? De moralité. Oui. Je me dis que quand vous enlevez la question de moralité, de responsabilité du personnel dans tout ce qui se passe, le service va être beaucoup plus facile. Mais parce que les administrateurs qui sont là ne font pas correctement leur travail. Ils ont toujours besoin d'avoir un quota avant d'abord de rendre le service, ce qui fait que le service devient de plus en plus lent et de plus en plus déplorable. Merci beaucoup Khalil Camara. Bakar Kondé, nous vous écoutons également. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Qu'est-ce qu'il faut faire, surtout au niveau de l'État, pour résoudre ces problèmes-là ? Je crois que c'est un processus qui a été entamé depuis au temps de fin régime, on va le dire comme ça, le régime d'Alpha Condé. Et ceux qui sont venus n'ont pas tiré les leçons pour évaluer et voir un peu comment performer ce système. C'est-à-dire que vous signez un contrat avec une seule banque. La banque, c'est une banque analogique, je peux le dire comme ça, parce qu'elle aurait dû digitaliser la chose. Par exemple, quand au niveau des cadentés, avec Bisigui, à travers votre téléphone, vous avez un compte, vous payez l'argent, on vous envoie le reçu, vous partez, vous tirez le reçu, vous venez dans les commissaires à vous montrer ce reçu-là. Alors que Aura Bank aurait dû faire la même chose, vous payez à partir de votre compte ou à partir d'un compte tierce, après on vous envoie le reçu, vous partez tirer le reçu, vous envoyez directement. Au niveau des communes, vous partez pour avoir, parce que vous partez là-bas, simplement la chose qui vous amène là-bas, c'est pour avoir une photo, pour vous permettre d'avoir un extrait de naissance biométrique. Et là également, ils sont deux ou trois personnes qui font pour 50 ou 100 personnes par jour. Donc ça devient complexe et compliqué pour ces agents-là qui ne sont pas forcément équipés pour pouvoir faire face à tout ce monde. Donc je pense qu'ils reviendraient, parce que moi je sais qu'il y avait un projet qu'on appelle projet de modernisation de l'administration et de la féminisation qui avait été entamé depuis le temps de certains Nkuruma et qui était ministre à l'époque. Je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on puisse diversifier d'abord les sources, les voies d'accès, mais également qu'on puisse moderniser. Parce que je suis allé l'autre fois, après l'émission, je suis allé au commissariat qui est à côté ici, où je suis allé voir, on m'a fait savoir qu'au-delà de l'argent qui est officiellement annoncé, et pour aller à chaque étape, pour les signatures, il faut payer 10 000 francs. Je me suis dit, mais 10 000 francs, on le paye pour qui ? On dit, mais c'est à payer. Si vous voulez que votre document puisse avoir une signature et passer à une prochaine étape, il va falloir payer 10 000 francs. Et là, vous le payez jusqu'à 3 niveaux, 4 niveaux. Alors que vous avez payé initialement un montant qui a été annoncé officiellement. Donc je pense que ce système clanique, ce système de vol, ce système d'arnaque à ciel ouvert, ça ne date pas de maintenant là. Malheureusement, quand Bachir est venu, on a flanqué sur les portails de chaque commissariat. Le prix, c'est comme ça. Moi, je vous rappelle, au commissariat central de Nongo, à l'époque, les cartes biométriques, les parts comme nous avons ordinaires qu'on avait, c'était à 15 000 francs officiellement. Quand je suis allé, on m'a dit, écoutez, il n'y a pas de cliché, je ne sais pas quoi.
Alors j'ai dit, mais si vous êtes pressé, vous devez payer tel montant. J'ai dit, combien? Il m'a dit 150 000 francs. Alors que le prix normal c'est 15 000 francs, j'ai dû payer 150 000 francs pour avoir ma carte en 72 heures. Préciser, à l'époque. À l'époque. Voilà, faut pas, l'époque. Que, faut pas donc, que Charles Ouedé débarque là-bas système, aujourd'hui. À ça l'époque, c'est sûr, je c'était, suis pas encore c'était, c'était sous Alpha Condé. Sous Alpha Condé, je l'ai dit. C'est pourquoi je dis que c'est un système qui a commencé. Parce que c'est, ce sont nos amis. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des efforts pour rompre avec ces vieilles habitudes. Et malheureusement, comme on dit souvent, les vieilles habitudes ont la peau dure. Donc, il faut aujourd'hui permettre à ces anciens, parce que ce n'est pas seulement que l'abbé. À l'intérieur du pays, il y a des anciens qui ont vidé les salles de classe pour aller chercher ce précieux sésame-là. Bien. Alors qu'on pouvait déplacer les gens vers eux. Aujourd'hui, on fait le recensement. Quand on fait le recensement général, il y a des gens qu'on veut délivrer des moustiquaires. On se déplace pour aller dans les ménages. Pourquoi on ne fait pas au même moment avec les anciens qui sont en classe? On regarde leurs pièces, on demande des documents fournis. Bien. Après, on continue le processus. Bien. Pour dire aux gens, abandonnez les salles de classe, allez-y chercher votre carte biométrique, bien, allez chercher votre passeport biométrique. Je pense qu'il y aurait mieux de diversifier les sources, les possibilités pour les fonctionnaires, mais également pour les citoyens ordinaires, avoir accès à ces documents-là sans souffrir. Abakar Kondé, directeur de l'information de Sabari FM Guinée, très rapidement. Oui, un citoyen vient de faire juste un témoignage. Il dit que si une erreur est commise par les agents de saisie, qui sont à l'état civil par exemple, le citoyen est obligé encore d'aller payer à la banque pour payer un autre reçu. Il pourrait prendre le processus à chaque erreur commise, c'est le citoyen qui reprend le processus à zéro et qui paye les frais. Bien. Donc tout cela, c'est à corriger. Tout cela est avéré. Allez. Voilà. Oui, je voulais compléter. On est pris par le temps. Je voulais compléter Kondé. Je pense qu'il a parlé de Bachir Diallo. Bachir Diallo devrait d'abord commencer par arrêter l'extorsion qui est pratiquée aujourd'hui à l'entrée du ministère de la Sécurité. Moi, je suis très hostile à l'injustice. Comment ça? Je vous dis, au ministère de la Sécurité, quand un citoyen va pour un service, vous voulez garer votre moto, les agents qui sont à l'entrée vous demandent l'argent. Il n'y a pas de parking, le stationnement. Non, il n'y a pas de parking. Non. Pour le stationnement, attendez, où va l'argent? Non, mais juste, non, attendez, ça, c'est une autre question, ça, c'est un autre débat. Eh bien sûr, mais le fait de faire payer le stationnement, ça, c'est pas un problème. À partir du moment où ce n'est pas légal, c'est de l'extorsion. Comment ça? C'est illégal? C'est pas réglementé. C'est pas réglementé. Non, attendez. À l'entrée, je vous dis. Khalil. Attendez. C'est très important. Vous savez, les citoyens, il faut les respecter. Vous partez dans une administration pour un service. L'État a le devoir de vous recevoir. Donc, vous ne pouvez pas aller chez... c'est-à-dire dans l'administration, et que l'État vous demande l'argent de garer votre moto. Bien. Vous savez pourquoi ce n'est pas réglementé? Parce que ça ne se fait pas. Si c'était légal, on allait réglementer, on allait délivrer un reçu aux personnes qui vont. Mais il n'y a pas de reçu. Vous venez vous garer, on vous demande, à la sortie, on vous demande de payer 5 000 francs. On te dit tout simplement. 10 000 francs. On te dit tout mais simplement. Mais la pratique même à l'hôpital Donka, où vous partez pour saluer votre malade, on vous demande de payer l'argent pour rentrer. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut demander ça au gouvernement. C'est important. Merci beaucoup, Khalil Camara. Je rappelle que vous êtes journaliste à Nostalgie FM Guinée. C'est FIM Guinée, mesdames et messieurs, que vous écoutez. Merci de nous rejoindre dans le temple de l'info en Guinée. FIM FM, le temple de l'info, le temple du savoir et du savoir-faire. FIM FM. FIM FM. Le temple du professionnalisme rigoureux. Le temple de l'info vraie, traitée sans passion, mais sans concession. FIM FM, le supplément, l'art de disséquer, de retourner l'actualité sous toutes ses coutures. C'est aussi la magie de la dialectique constructive en vue d'une Guinée nouvelle. FIM FM, le supplément d'énergie positive pour une Guinée émergente et vertueuse. FIM FM, le supplément. Le débat politique ne s'arrête pas sur FIM FM. L'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Ibrahima Khalil Diallo. Vous nous suivez sur tout le littoral, ici à Conakry, de Somfonia, en passant par Lambani, Nongo, jusqu'aux portes de Taouya, comme j'aime souvent le rappeler. Vous nous écoutez également sur toute la corniche, de Lansébouni, Matam, Marché Madina, Carrefour Célibataire, Bessia, jusqu'aux portes de Matoto. Et vous nous suivez également sur la route Le Prince, l'axe de la démocratie, de Bambeto, Amdalaï, en passant par Kosa, jusqu'aux portes de la Cimenterie. Merci de nous rejoindre.
6 est maintenant que vous nous prenez en marche hein, à l'écoute de Film Guinée. Au compte de cette émission, le supplément d'info, nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. À venir, cette annonce du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, il a dit que tout simplement, il a demandé aux élus locaux de se préparer avant le 18 février prochain, date d'expiration de leur mandat, car ils seront tous remplacés un à un et automatiquement, ipso facto, par des délégations spéciales au lendemain de cette date annoncée par le chef du département donc de l'administration guinéenne. Et comment expliquer cette situation? Mori Kondé est-il dans la légalité? Autant de questions, mesdames et messieurs, que nous nous posons ce matin et dans le supplément d'infos. À venir aussi, le journaliste sénégalais Pape Alé Niane, c'est la dominante de l'actualité africaine, en tout cas dans l'Afrique francophone ces derniers jours, renvoyé en détention depuis 2 semaines hein, pour des informations de nature à nuire à la défense nationale, est extrêmement éprouvé. Il a écrit par sa grève de la faim et donc ses avocats aussi ont relayé ses propos et son état de santé est devenu très très préoccupant après son refus hein, de suivre le traitement des médecins à l'hôpital principal de Dakar. Qu'est-ce qui se passe justement au pays de Macky Sall? Macky Sall a-t-il la volonté et bien entendu de fermer la bouche des journalistes de son pays, mesdames et messieurs? Ce sont là des questions qu'on va poser à qui exactement? À Ibrahima Lissa Faye. Il est un journaliste sénégalais. Il est donc notre invité exceptionnel ce samedi au compte de la rubrique Le Art Talk. Il va prendre la parole, bien entendu, depuis Dakar. Ça sera sur les coups de 10h30 au compte de cette émission. À venir aussi, cette question. Mamadi Doumbouya, le colonel est-il sur les traces de Alpha Condé? Eh bien, on répondra à la question. On en parlera dans un instant. Mais bien avant, on va rester dans le supplément d'ensemble. Avec vous, Khalil Camara, on l'a appris hier. C'était pas donc une surprise. Hein. La maison du célèbre Sekou Bembéa, Jazz, a été démolie finalement. Oui, la maison de l'artiste Sekou Bembéa Jazz a été rasé. Il faut quand vous même. Vous avez besoin du café? Un peu de café? Non, c'est bon. Je ne vous sens pas très éveillé. C'est bon, très réveillé. Bon. L'énergie, ça vient. D'accord, allez. Je vais dire que son domicile, bien sûr, a été rasé. Ce n'est pas une surprise, comme vous l'avez dit, parce que déjà, c'était attendu. L'artiste lui-même était sorti pour faire des dénonciations dans la situation, les difficultés auxquelles il est confronté avec d'autres artistes, parce qu'il faut comprendre que il s'agit d'un bâtiment culturel qui a aussi été rasé, qui est la Payotte. Évidemment, La paillote n'a pas été touchée. Hein. La paillote a été épargnée. La paillote n'a pas été touchée. Bon, peut-être que je n'ai pas la bonne information. Oui. Pour la paillote a été épargnée. Allez-y. Voilà, parce que j'ai entendu le cri de cœur de certains citoyens qui disaient que pour eux, cette maison devrait rester. Alors, bien si elle est restée. Maintenant, la situation de Sekou Bembéa Diaz, il faut rappeler qu'il n'est pas quand même le seul. Il y a beaucoup d'autres citoyens qui sont touchés par cette opération et aujourd'hui, ils demandent à ce que l'État leur vienne en aide, ainsi que Sekou Bembéa Diaz. Mais j'ai aussi des informations comme quoi Sekou Bembéa Diaz a été reçu Diabaté. Par le... Sekou Bembéa Diaz. Diabaté. Voilà, c'est Diaz ça, non? Diaz n'est pas non. Voilà, le groupe... Dans le micro. C'est normal de dire Sekou Diabaté de Bembéa Diaz. D'accord. Alors, je disais que des informations révèlent que Sekou a été reçu par le président Mamadi Doumbouya et il aurait reçu une forte somme. Et d'ailleurs, on lui a demandé de faire une liste pour inscrire d'autres artistes qui seraient dans la même situation que lui. C'est une situation à laquelle le site Calais News s'est intéressé. Et nous sommes d'ailleurs partis pour interroger Sekou Diabaté, parce qu'on l'a appelé au téléphone pour se rassurer réellement est-ce que ces allégations sont fondées, est-ce que réellement il a été reçu par le président Mamadi Doumbouya, mais il n'a pas voulu répondre à nos questions, il a juste dit qu'il ne veut pas répondre à ces allégations, et puis il a raccroché le téléphone. Donc,
tout porte à croire aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, qu'il a reçu une somme de la part du président Mamadi Doumbouya. Et on peut comprendre après cette démolition, parce qu'il n'est pas sorti pour parler, contrairement à ce qui se passait avant cette démolition. Vous avez vu, il criait sur tous les toits pour dénoncer sa situation. Mais maintenant qu'il a rencontré le président Mamadi Doumbouya, donc aujourd'hui, il n'y a plus de crue. Mais je m'intéresse quand même aux situations des personnes qui sont aujourd'hui dans cette localité. Je veux bien parler de ces femmes veuves, de ces enfants abandonnés qui finalement ne vont plus à l'école, parce que vous avez vu la dernière fois des images sur la page Facebook de FIM. Bien. Vous avez vu ces enfants qui étaient couchés à la Belle Étoile et des parents qui réclamaient une subvention ou, si vous voulez, un dédommagement de la part de l'État parce qu'ils n'ont pas aujourd'hui où aller. Alors, est-ce qu'il faut laisser cette situation comme ça? Parce que quand vous partez aujourd'hui, je vous dis, à Cameroun, dans la cité Cameroun, c'est le désarroi. Les familles sont désemparées, elles sont désorientées. Bien. Elles n'ont pas vraiment où aller parce que une telle surprise de la part de l'État sur des domaines où vous avez fait plus de 50 ans. Bien. Donc, vous pouvez comprendre la frustration qui est sémée aujourd'hui dans ces zones-là. Bien entendu, on va revenir sur ce sujet et dans un instant. Le temps pour nous, on va marquer une petite pause, hein, le temps pour nous d'aller avec notre écran publicitaire et les infos. On se retrouve juste après pour poursuivre ce débat sur FIM Guinée. Mon choix, ma confiance, pour moi et pour ma famille, c'est ODAB Multi-Industrie. Bomi, la marque de la qualité. Vous n'avez pas de matériel, vous? Ma perceuse déconne. Il n'y a pas longtemps depuis que je l'ai acheté. Il y a trop de contrefaçons dans ce pays-là. Ah, tu ne connais pas la boutique Total Outillage à Koloma? Ne cherchez plus ailleurs. Total Outillage est là pour vous. Nous vous proposons une gamme de matériel de travail répondant à vos attentes. Des outils comme des perceuses à percussion, des lames de coupe carreau, des générateurs à essence, des régulateurs de tension automatique, des chaussures et masques de sécurité, des ciseaux à bois, entre autres. Avec Total Outillage, vous avez la solution à vos soucis. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagnant mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps. Et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père, je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. Et le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais offert était le cadeau du temps et je lui reste fidèle. Plus d'infos, contact @mounagroup.com. Téléphone plus 224 628 34 0101. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux.
sois meilleur. Oda, eh, Oda, ma confiance, mon choix. Oda, eh, Oda, le choix pour moi. Mon choix, ma confiance, pour moi et pour ma famille. C'est ODAB, multi-industrie. ODAB, 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 ODAB. Omi, la marque de la qualité. La qualité. Vous n'avez pas de matériel, vous? Ma perceuse déconne. Il n'y a pas longtemps depuis que je l'ai achetée. Il y a trop de contrefaçons dans ce pays-là. Ah, tu ne connais pas la boutique Total Outillage à Koloma? Ne cherchez plus ailleurs. Total Outillage est là pour vous. Nous vous proposons une gamme de matériel de travail répondant à vos attentes. Des outils comme des perceuses à percussion, des lames de coupe-carreau, des générateurs à essence, des régulateurs de tension automatique, des chaussures et masques de sécurité, des ciseaux à bois, entre autres. Avec Total Outillage, vous avez la solution à vos soucis. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagna mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père. Je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. Et le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais offert était le cadeau du temps. Et je lui reste fidèle. Plus d'infos, contacte @mounagroup.com. Téléphone +224 628 34 0101. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux.
sur l'info. Surf de l'actu, Mariama Diomboba. Bonjour à tous et bienvenue dans ce surf. À travers un décret publié dans la soirée d'hier vendredi à la télévision nationale, le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, a nommé des hauts cadres au département en charge du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. Ahmed Sékou Kondé, précédemment conseiller chargé des questions industrielles et des PME du ministère du commerce, de l'industrie et des PME, est nommé au poste de conseiller principal. Et puis un incendie s'est déclaré dans la nuit du jeudi à hier vendredi au grand dépôt de bois situé à la gare dans la commune urbaine de Kindia. Elle aurait provoqué d'énormes dégâts et serait causée par un court-circuit, selon nos confrères de mosaïqueguinée.com. Selon Elhadja Mama Kamara, président préfectoral de la filière bois de Kindia, les pertes sont estimées à plus de 500 millions de francs guinéens. Le contenu de 5 ateliers partis en fumée, des tas de bois et la destruction de plusieurs machines de sillage. Sur le continent, des acteurs de la filière du bois au Cameroun sont en colère contre la nouvelle hausse des taxes à l'exportation. L'organisation patronale groupement de la filière bois du Cameroun, qui revendique 75% du volume d'affaires dans le secteur, est en grève depuis lundi 2 janvier. Ses membres ont décidé de suspendre toute déclaration en douane pour dénoncer une pression fiscale trop forte sur les acteurs qui jouent le jeu et paient leurs taxes. Ailleurs, deux hommes ont été exécutés ce samedi matin en Iran après avoir été reconnus coupables d'avoir tué un paramilitaire lors des manifestations déclenchées par le décès en détention d'une jeune kurde, a annoncé l'agence du pouvoir judiciaire. Depuis le début du mouvement de contestation, la justice a condamné à mort 14 personnes en lien avec les manifestations, selon un décompte de l'AFP basé sur des informations officielles. Parmi elles, 4 ont été exécutées, 2 ont vu leur peine confirmée par la Cour suprême, 6 attendent de nouveaux procès et 2 autres peuvent faire appel. C'était donc Surf de l'actu à tous. Merci de l'avoir suivi. La suite de votre émission, Le Supplément. C'est tout de suite. FIM FM. Mon choix, ma confiance, pour moi et pour ma famille, c'est ODAB Multi-Industrie. ODAB, Bomi, la marque de la qualité. Vous n'avez pas de matériel, vous? Ma perceuse déconne. Il n'y a pas longtemps depuis que je l'ai achetée. Il y a trop de contrefaçons dans ce pays-là. Ah, tu ne connais pas la boutique Total Outillage à Koloma? Ne cherchez plus ailleurs. Total Outillage est là pour vous. Nous vous proposons une gamme de matériel de travail répondant à vos attentes. Des outils comme des perceuses à percussion, des lames de coupe carreau, des générateurs à essence, des régulateurs de tension automatique, des chaussures et masques de sécurité, des ciseaux à bois entre autres. Avec Total Outillage, vous avez la solution à vos soucis. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagna mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel.
J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père. Je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. De l'information triangulée. Le supplément, c'est aussi des enquêtes fouillées, des interviews choc. FIM FM, le supplément, votre supplément d'âme et de débat tout court. FIM FM, le supplément. Le débat politique ne s'arrête pas sur FIM FM. L'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Ibrahima Khalil Diallo. Encore plus d'une heure à passer ensemble au compte de cette émission, le supplément d'info. Je le rappelle que vous avez rendez-vous tous les jours pratiquement, hein, du lundi au samedi de 8h à 11h avec cette émission sur FIM Guinée. Et je le rappelle là-dessus, c'est important de faire la précision. Hein. On n'a qu'une seule vocation, vous aider à mieux comprendre l'actualité dans toute sa dimension et sa diversité. Notre sujet phare ce samedi, c'est cette annonce faite par Maurice Condé, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui a demandé aux élus locaux, si vous ne le savez pas, eh bien de se préparer, hein, bien entendu, de se préparer avant le 18 février prochain, car ils seront tous remplacés sans exception et automatiquement, ipso donc facto, et par des délégations spéciales. Il faut-il préciser que ces élus locaux sont tous issus du scrutin du 18 février 2018, donc pour certains problème de l'égalité ne se pose pas, mais nous on se pose la question de savoir quelle est bien entendu la légalité de cette démarche. Maurice Condé est-il dans la légalité? Eh bien, on en parlera dans la seconde partie de cette émission avec nos chroniqueurs. Et puis aussi on reviendra sur la détention de ce journaliste sénégalais à la personne de Papa Alenyan qui croupit aujourd'hui en prison du côté de Dakar. Et on est donc en droit de se poser la question de savoir Macky Sall a-t-il bien entendu désormais la volonté de fermer la bouche à ces journalistes, aux hommes des médias de son pays? Eh bien, on en parlera aussi, hein, dans la rubrique Le Hard Talk, qui reçoit comme invité Ibrahima Lissa Faye. Hein. Il est donc journaliste sénégalais. Il prendra la parole depuis Dakar. Ça sera aux alentours de 10h30. Vous êtes des milliers à réagir ce matin encore aux différentes thématiques débattues dans cette émission via nos plateformes, toutes nos déclinaisons numériques. On va donc se faire le devoir, hein, de relayer vos messages. Et sur la page Facebook, Abdourahmane Sinkin Diallo nous écrit et il nous dit ceci: bonjour Ibrahim Khalil et un bonjour particulier à mes parents de Sinkin, de Sagalé, de Moumilia et de Teluel, de la banque en passant par la mairie et jusqu'au commissariat. On est obligé de se mettre en rang et des fois des semaines sans franchir une seule étape avec des tracasseries qu'on ne peut pas citer. Même la refondation est étonnée. C'est Abdourahmane Sinkin, chargé de communication de la Fédération Modèle de Ratoma, et qui nous envoie ce message. Mamadou Baylo Lompel aussi nous écrit: bonjour Khalil et bonjour à l'équipe du jour. Bonjour à Broual Sunki, à Daguel, à Doumba et à Tiaoui. L'annonce du ministre Maurice Condé plane des doutes sur les réelles intentions du CNRD, fait planer des doutes bien sûr sur ses intentions pour les élections, et ça amène à se poser des questions. Pourquoi le CNRD a refusé de dévoiler la liste de ses membres? N'a-t-il pas un candidat caché? Mais que le CNRD sache que le peuple de Guinée ne se laissera pas faire. Nous restons donc très très vigilants. Bolokada Tourama aussi nous écrit: et bonjour le meilleur de sa génération, Ibrahim Khalil, et à toute l'équipe du jour. J'adore votre voix magnifique et magique. Honnêtement, sincèrement et véridiquement, l'ex-légionnaire français ne veut pas céder le pouvoir du peuple souverain à temps. Il s'éternisera et confisquera le pouvoir. Tous les opposants politiques et sociaux seront arrêtés et emprisonnés injustement. Mais le tout-puissant Allah viendra au secours de la République de Guinée. Il n'y a aucune justification de coup d'État contre notre champion, le professeur Alpha Condé, et tout ce qu'il a reproché. Oh, voilà, le message n'est pas venu au complet. Et surtout, soyez bref dans la rédaction de vos messages. C'est extrêmement important. Si c'est assez long, ben, malheureusement, on ne peut pas tout relayer, tout le contenu. Hein. Y a aussi Barry Mamadou Alpha, UFDG de Madina, qui nous écrit ce matin. Et bonjour, Monsieur Ibrahim Khalil Diallo, le président de la OUM et journaliste de conviction inébranlable. Et félicitations pour votre promotion. Et bonjour
à vos collègues journalistes et chroniqueurs, singulièrement à M. Ibrahima Sori, Lincoln Souma, le contigu de la Basse-Guinée. Monsieur, s'il vous plaît, je m'interroge. Et jusqu'où le colonel Doumbouya compte aller en emprisonnant certains, en mettant sous contrôle judiciaire les uns et en inculpant d'autres? Et car cette situation sociopolitique désastreuse ne peut pas continuer dans la durée. Et il faut qu'ils comprennent que nous sommes au monde de la haute technologie. Et car ce qui pouvait se faire 30 ans après aujourd'hui ne peut plus se faire en 2023. C'est donc Barry Mamadou Alpha, UFDG depuis Madina, qui nous envoie ce message. Je suis obligé de réduire certains messages, hein, puisque c'est assez long. Et on a beaucoup d'autres réactions. Et très rapidement, il y a aussi le président de l'ACP, Ben Youssouf Keïta, qui réagit ce matin et nous dit: bonjour Ikadé, le plus brillant de sa génération, bonjour spécial et appuyé à Mamadou Boy, qui a le même timbre vocal que Manu et Khalil. Vraiment, c'est un parcours de combattant que d'obtenir une carte d'identité biométrique. Lincoln a parfaitement raison, il ne devrait pas avoir de monopole bancaire. D'ailleurs, et pourquoi pas inclure la Bisigui nationale? Et Khalil, sur un média de large audience aussi comme vous, j'ai appris la possible reprise des manifestations sociales à caractère politique bientôt chez nous au nom de mon parti, l'ACP. Et pour le l'ACP, donc je suggère une trêve pendant la durée de 2 ans de la transition. Il faut éviter de donner quelques prétextes que ce soit aux dirigeants actuels de faire glisser cette transition dans le temps. En 2025, il doit forcément avoir un passage de témoin dans les règles de l'art entre le colosse du palais Mohamed V et le futur président démocratiquement élu. Œuvrons tous à la réussite de cette troisième transition afin qu'elle soit la dernière et plus jamais de coup d'état en Guinée. Bon début de week-end à tous. Merci, c'est honorable Ben Youssouf Keïta, président du parti ACP, qui nous envoie ce message. Une dernière réaction avant de poursuivre cette émission, celle de Général Baylo. Et bonjour au président et Khalife général de la Oumma, Ibrahim Khalil Diallo. Bonjour au grand frère Barbu Lincoln qui a boudé son petit. Bonjour à tous. Et Khalil, permettez-moi de penser aux victimes de l'injustice, des injustes au pouvoir, mais pensez au coordinateur du FNDC, Fonike Menge, et Ibrahima Diallo, prisonnier personnel de Charles White et son patron Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya n'est pas socialiste mais communiste. Cette dictature crue, je vais censurer certains passages. Hein. Pas du tout, Général Baylo. Il y a des mots qu'on ne peut pas malheureusement relayer à l'antenne. Exprimez vos opinions dans le respect, en tout cas des autres. De toutes les façons, ce sont nos autorités, c'est extrêmement important. Voilà, vous pouvez exprimer vos désaccords, mais dans le respect, c'est important des autres aussi. Et on va s'arrêter là-dessus. Le temps pour nous de poursuivre cette émission juste après cette petite virgule. FIM FM 95.3, c'est l'intersaison avant la grande rentrée du 16 janvier 2023. FIM FM à votre service. FIM FM. Même pas peur. FIM FM, le supplément. L'art de disséquer. FIM FM, pour retourner l'actualité. Le supplément. Ses coutures. C'est aussi le supplément d'ensemble. La constructive en vue d'une Guinée nouvelle. FIM FM, le supplément d'énergie positive pour une Guinée émergente et vertueuse. FIM FM, le supplément. Le supplément d'ensemble. Aux opérations techniques, c'est Tierno Hassan Diaoné, assisté bien entendu des deux gazelles, Mariam Ba et Fatoumata Bari. Voilà, Saramba et Fatoumata Bari, c'est ça aussi. L'inconvénient de ne pas écrire Tierno Hassan Diaoné. Aux opérations techniques, c'est le colosse Ibrahim Silla, assisté du Golden Boy Ali Badra Kourouma qui nous accompagne. On revient donc sur ce sujet très rapidement. On a que 5 minutes pour l'évacuer. Et les gars, on parle de la démolition, bien entendu, Khalil Kourouma, de la maison de Sékou Bembeya. Pas que lui, hein, il y a d'autres citoyens aussi qui ont perdu leur maison, qui ont vu leur concession démolie. Oui, cette démolition, mais je parlais du cri de cœur des citoyens de la localité, des personnes donc qui sont victimes de cette opération. On parle de discrimination de la part du président Mamadi Doumbouya. Le fait d'appeler certaines personnes pour leur donner l'argent et laisser d'autres personnes, parce que ces personnes estiment que même si elles n'ont pas été
si vous voulez, actrice des événements culturels, mais il faut reconnaître quand même que leurs parents, qui sont leur papa ou alors leur défunt papa, étaient bien actifs dans les événements culturels, dans la gloire en ce qui concerne, étaient aussi des gloires de la culture guinéenne, comme le sont aujourd'hui Sékou Diabaté et d'autres personnes. Alors, moi je pense que Sékou Diabaté, il ne devrait pas aussi rester silencieux. C'est-à-dire que vous avez crié... Il a pris la parole sur vous. Attendez. Condé. Vous avez crié sur tous les toits. Vous étiez prêt à parler avec tous les journalistes. N'importe qui pouvait appeler Sékou Diabaté à l'époque pour dire « Je suis journaliste ». Il était prêt à s'ouvrir à vous. Mais après avoir rencontré le président, après avoir reçu l'argent, on estime qu'il a reçu l'argent. Faites attention. Je dis, on estime qu'il a reçu l'argent. On estime qu'il a reçu l'argent. De l'argent pour quoi ? D'abord, on l'avait appelé. Il a reçu de l'argent pour quoi ? Se trouver une maison. Mmh. On avait appelé. Si le président l'a reçu, c'est à travers nous les médias. C'est à travers nous les journalistes. Mmh. Parce que c'est nous qui avons, n'est-ce pas, fait ébruiter. Vous voulez qu'il vienne dans ce studio et partager cet argent avec vous ? Je n'ai pas dit cela. Mais la discrimination qui est là aujourd'hui, je pense que lui aussi, il en est complice. Mmh. Il peut-être ne pas partager l'argent avec les autres personnes, mais il peut quand même accepter de parler aux journalistes pour dire « Voilà, j'ai reçu le montant. » On ne demande pas quel montant il a reçu, mais qu'il reconnaisse quand même qu'il a rencontré le président et que le président lui a donné l'argent et quelle est la liste qu'il a envoyée au président. Parce qu'on entend également qu'il a pris une liste. Je suis en train de nuancer quand même. On entend de la même façon. Il a pris une liste que le président lui-même lui avait demandé et il a envoyé avec le nom de certaines personnes. Alors, c'était qui ces personnes? Quelles sont les personnes qui étaient concernées? Et pourquoi d'autres personnes qui sont aujourd'hui dans la même localité n'ont pas reçu l'argent? Donc, je pense que c'est important de dire cela. Mais le Guinéen aussi, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous avez des problèmes, vous venez faire la victime chez les journalistes. Mais maintenant que vous avez réglé votre problème est résolu. Voilà, vous faites le dos aux journalistes. Ce n'est pas bien. Bien, merci beaucoup Khalil. Oui, Abakar Kondé. On s'en prend à la mauvaise personne. Sékou Mbéa est une victime comme toutes les autres victimes. Aujourd'hui, on devrait s'en prendre plutôt au régime actuel. Le régime actuel qui mélange les situations. Parce que quand vous venez déguerpir les gens, vous devrez évaluer, situer leur situation, savoir celui-ci-là, il est venu à quel moment, avec quelles conditions et à quel profil. Ceci est extrêmement important. Il y en a qui ont été installés par des régimes précédents. Le premier régime a installé des acteurs culturels pour être là. Ils étaient des fonctionnaires d'État, payés par l'État. Ceci n'avait pas un compte parallèle pour dire que quand je vais faire un spectacle, quand je reviens, je mets l'argent dans mon compte. C'est des gens qui ont, ça a été un sacerdoce pour eux, servir exclusivement la nation guinéenne. À ces gens-là, pour les récompenser, on leur a donné un abri modeste pour y vivre avec leur famille. Maintenant, on est dans le deuxième régime, avec la politique d'ajustement structurel, tout cela a été renvoyé à la retraite. Maintenant, ils n'avaient plus maintenant de salaire et les orchestres ont été abandonnés. Le peu qui les reste maintenant aujourd'hui, au nom de la refondation de l'État, on les retire tout ça là, on les met dans une situation de vulnérabilité. C'est au régime auquel il faut s'en prendre. C'est ce régime-là qui fait, si vous voulez, la disparité. C'est le régime-là qui fait aujourd'hui la sélection, la présélection pour dire tel est super guinéen, tel est moins guinéen. Sinon, en principe, s'il s'agit des Guinéens, l'État a pour obligation de protéger les concitoyens. Il revient à l'État de mettre des situations, des conditions de vie saines. Maintenant, si l'État a failli, vous pensez que c'est Sékou Mbéa qui a la baguette magique pour réparer le tort de l'État guinéen? Non, bien. Il n'est pour rien. S'il a été dédommagé, tant mieux, c'est sa chance, mais il revient à l'État bien. De prendre en compte les citoyens guinéens. Qu'il reconnaisse qu'il a été dédommagé au moins. Il n'a pas besoin de reconnaître, encore moins de nier. Allez-y voir Mamadi Doumbouya, appelez-le, il a un service de communication, demande-lui est-ce qu'ils ont dédommagé Sékou Mbéa ou pas. Il n'a pas demandé Sékou Mbéa. Je pense qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui dans un communisme pur et dur. Parce que le communisme, c'est de nier tout ce qui a été fait par le prédécesseur. Aujourd'hui, tout ce qui a été mis comme base solide par le régime de Sékou Touré, de l'ancien Conté et de, je sais pas, Alpha Condé, on est en train d'être remis en cause. Quand un président de la République pose un acte, vous ne venez pas pour déjouer ou déjouer cet acte-là. Parce qu'aujourd'hui, le feu président Sékou Touré a posé des actes salutaires. Aujourd'hui, Alpha Condé est venu, il a fait ce qu'il a pu faire. Il a détruit certains actes. Doumbouya vient, il détruit tous le passage. Bien. On a vu des anciens fonctionnaires du secteur qui travaillent pour l'État, qui ont fait ça pour servir la nation guinéenne. Aujourd'hui, ils sont aujourd'hui à la belle étoile. Bien. Il revient maintenant, on a cette réformation bancale qu'on essaie maintenant de réparer les torts parce qu'on est en train d'enregistrer beaucoup de victimes aujourd'hui.
Bien, Emmanuel Minimono, allez-y. Moi, je vais rester un peu sur le cas de Sékou Diabaté Bembeya. Je crois que c'est quand même important de rappeler que sous le régime de Sékou Touré, Sékou Bembeya était, disons-le, un fonctionnaire culturel, comme beaucoup d'autres d'ailleurs qui appartenaient à des orchestres qui ont été à un moment... D'ailleurs, faire des lances de la révolution culturelle de Sékou Touré. Pas oublier que ces orchestres-là étaient comme le ministère des Affaires étrangères. Ils représentaient la Guinée. Alors que quand on se retrouve dans un régime libéral, ces orchestres auraient eu, par exemple, leur propre compte bancaire, auraient fait des contrats, auraient cherché leur propre argent. Mais à l'époque, ils ne cherchaient pas d'argent. Ils travaillaient au nom de la République et la République les payait. Et comme l'a dit Condé, ils ont été récompensés par la République à travers donc ces petits logements que le président Sékou Touré leur avait donné à l'époque. Maintenant, pour revenir au fait actuel, c'est que il y a eu, c'est vrai, ce programme de démolition des maisons qui a touché pratiquement tous ceux qui habitent dans le coin, à part bien entendu cette Payotte qui est aussi un site historique pratiquement, et puis les grands immeubles qui ont été épargnés. Mais tout le monde a été touché. On a parlé du cas de l'ancien Premier ministre Ahmed Tidiane Soare qui habitait aussi dans les parages, qui a aussi été touché en même temps. Donc le cas Sékou Diabaté, qu'est-ce qui en a fait la particularité? C'est parce que les médias ont décidé aussi de le tirer de là, du lot de tous ceux qui ont été déguerpis, pour le présenter, pour dire que lui c'est une figure historique et que lui il ne méritait pas cela. Donc, s'il a aujourd'hui bénéficié d'un traitement de faveur, c'est parce que en amont, les médias eux-mêmes ont décidé qu'il mérite de ce traitement de faveur à cause de ce qu'il a été. Et je pense que si une liste est partie, pour l'instant on n'en a pas la confirmation s'il a envoyé une liste ou pas, est-ce qu'il a reçu de l'argent ou pas, mais moi je pense que s'il a reçu de l'argent, c'est tant mieux. Parce qu'en réalité, c'est ce qui avait été demandé au départ. Même moi, j'ai défendu cette position ici pour dire qu'au regard du service qu'il a rendu à la nation, depuis la Première République, lui et bien d'autres acteurs méritaient qu'on puisse leur permettre de vivre dignement. Parce que quand eux, ils rendaient service à la nation, ils n'étaient pas comme les artistes d'aujourd'hui qui pouvaient signer un cachet et gagner de l'argent. Avant, ce n'était pas une histoire de cachet, vous faisiez au nom de l'État. Et l'État vous donnait ce qu'il pouvait. Ça fait que cela méritait évidemment que l'État aussi puisse les aider, ne serait-ce qu'à avoir un toit. Donc, quand ça a commencé, on l'a tiré du lot de toutes les victimes. On l'a présenté, je dis on, les médias, on l'a présenté ainsi. Et si le colonel a décidé de le dédommager, c'est tant mieux parce qu'au fond, c'est cela que l'action visait finalement au bout. Et je crois que derrière, pour peut-être essayer d'être juste envers... toutes les autres victimes qui ont été déguerpies de ces sites, on parle d'une modernisation, oui, peut-être des cités, d'immeubles qui vont être construites, peut-être penser, ne serait-ce que pour ces futurs immeubles qui vont être construits, de réserver soit un rez-de-chaussée ou au moins un premier étage pour ramener l'ensemble de ces personnes qui viennent d'être déguerpies, parce qu'encore une fois, moi, je ne m'inscris pas dans le nihilisme, dans le rejet total de ce qui est en train d'être fait. Je pense que le pays a besoin, évidemment, d'être modernisé. Et cela, comme on le dit souvent, on ne peut pas faire 2000 sans casser les œufs. On a déguerpis des gens. Quand on aura fini de reconstruire, je pense que ce serait intéressant, comme je l'ai dit tantôt, dans ces immeubles-là, qu'on puisse permettre à ces personnes déguerpies de revenir. Bien. Et à eux, on pourra ajouter de nouveaux... C'est pas ce qui est prévu. Bien. Allez, je vais terminer rapidement. Je vais terminer rapidement pour dire que ce programme de démolition et de reconstruction lui-même, il est à saluer. Beaucoup de victimes ont été causées, mais il faut aussi retenir que on parle souvent de ceux qui sont en train d'être chassés. Certains, c'est leur grand-père qui a été logé là-bas en tant que fonctionnaire. Bien. D'autres, c'est leur papa qui a été logé. Il n'est plus fonctionnaire ou alors il est décédé, mais eux, ils continuent à y vivre. Pensons aussi à ces nouveaux jeunes, ces nouveaux fonctionnaires qui entrent dans l'administration, qui, eux, n'ont pas la chance d'être logés et qui ont besoin d'être logés. Pensons à tous ces autres pauvres fonctionnaires, certains qui n'ont que 2,5 millions ou 3 millions de salaires dans le mois, mais qui sont obligés aussi de chercher un logement quelque part de 1,5 million ou de 2 millions dans le mois, dans les quartiers qui, eux, n'ont pas accès à ces cités-là. Pensons à tout cela pour dire qu'il y a beaucoup plus de victimes aujourd'hui anonymes qui ne sont pas logées, qui n'ont pas accès à ces cités, que cette poignée de victimes qu'on a retrouvées dans ces cités. Bien, Ibrahim Sori Lincoln, Souma, comme Emmanuel l'a rappelé, c'est important aussi de penser aux futures générations. C'est extrêmement important, Lincoln. Les futures générations, je ne vous comprends pas.
Non, mais si... Est-ce que les termes vides... Il fait allusion aux nouveaux fonctionnaires. Oui. Par exemple, aussi, qui ont besoin d'être logés. C'est important, oui, l'école. Je dis que puisque les bâtiments sont faits pour loger des fonctionnaires... Oui. En fait, pour expliquer, puisque ces bâtiments sont faits pour loger des fonctionnaires, si un fonctionnaire a été logé, il est parti à la retraite. C'est qu'il a été remplacé par quelqu'un dans l'administration. Bien. C'est quelqu'un là, il faut le loger, c'est son droit. En fait, c'est pour ça que le bâtiment est fait. Mais quand vous êtes logé, vous partez à la retraite ou vous êtes décédé, votre enfant qui est né quand vous étiez là-bas, c'est lui qui occupe. Et après, quand lui il décède, c'est son fils aussi qui occupe. En fait, le bâtiment il devient finalement familial. Bien, allez-y, Lincoln. Vous pensez aux futurs fonctionnaires, à la future génération. Est-ce que toutes les terres de Guinée sont occupées? Est-ce qu'on ne peut pas construire ailleurs? Est-ce que forcément tous les Guinéens, tous les fonctionnaires doivent être logés dans ces cités centenaires? On ne pense pas agrandir la ville, on ne pense pas construire une nouvelle ville. Mais c'est cela. Donc, il faut toujours décrépit des Guinéens pour loger d'autres Guinéens. Ils ne sont pas tous des Guinéens. Il manque ce qu'on appelle la politique d'habitat en Guinée. En principe, on devrait être dans la politique location-bail. Ceux-ci ont fait 10, 20, 30 ans, 40 ans. Ces maisons devraient leur revenir. Leurs parents ont servi ce pays. C'est des gens qui n'ont pas eu le temps de détourner. Qui n'ont pas construit ailleurs. Leurs fils sont des Guinéens, méritent d'être logés. Prenez le cas de la cité, par exemple, police du côté de Coléa et cité douane. On a décerbi des Guinéens. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette cité, aujourd'hui, ce sont des entreprises qui viennent construire. L'État loue à d'autres particuliers. Mais ceux-ci qui ont servi la Guinée méritaient que leur famille ait un toit. Il n'y a pas de terre entre Conakry et Zérékoré. L'État ne peut pas aller construire 1 million de logements, 100 logements, 500 logements, 800 000 logements. Ce n'est pas impossible. On n'est pas contre que l'État récupère son bien. Mais on est contre que l'État crée des réfugiés dans son propre pays. On est contre que l'État crée des SDF. On est contre que l'État crée des délinquants, des prostituées, des mendiants. L'État a pour rôle, a un rôle protecteur. C'est de ça qu'on parle. Donc, tous les fonctionnaires de la Guinée doivent être forcément à la Sigma Dina, ou bien, je parlais de la cacité camayenne, non. Allez prendre des terres derrière Koya, derrière Kindia, allez à Forcaria, allez à Dabola, allez un peu partout. Créez une nouvelle ville. Des logements sociaux, créez-les. Recensez tous ces citoyens qui occupent les bâtiments que vous voulez rénover. Ils sont recensés. Trouvez-leur les toits, demandez-leur de partir de ce côté et vous pouvez mettre des immeubles que vous voulez. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux-là qui sont en train de déguerpir, n'ont-ils pas de maison? Ils en ont. Leurs enfants sont à la belle étoile? Non, pas du tout. Mais et ces pauvres citoyens? Khalil, nous sommes des Guinéens. Il faut qu'on ait, du cœur à la place, peut-être du caillou. C'est très important. Ce qui arrive, c'est difficile. Ceux dont les familles ont été délogées aujourd'hui ont servi ce pays. Ne méritent-ils pas d'avoir un toit? C'est à l'État de trouver une politique d'habitat pour tout le monde. On peut loger tous les Guinéens de Conakry à Zérékoré. La Guinée est un pays qui n'est même pas construit. Ces espaces, qu'est-ce qu'on en fait? Mais est-ce que vous savez, c'est tout ce que vous dites là, tout ce que vous préconisez là, construire des logements sociaux, une nouvelle ville, Karma, est-ce que vous savez que ça demande de temps mais aussi des moyens? Je parle de temps parce que tout simplement les autorités que nous avons actuellement sont là juste pour un petit temps, maximum 2 ans, 3 ans, elles doivent partir. Et dès qu'elles vont commencer, lancer des opérations de cette dimension, de cette trempe-là, tout à l'heure, on dira ils veulent s'éterniser au pouvoir, Lincoln. Est-ce que quelque part aussi, il ne faut pas réfléchir sur ça, sur le facteur temps et sur le facteur possibilité, moyen financier? On ne peut pas tout faire, même avec le mandat normal. C'est-à-dire 2 fois 5 ans, tu ne peux qu'exécuter une partie du programme de société. Tu ne peux pas tout faire. Mais ceci devait donner l'exemple ou la voie aux autorités à venir. Ce que j'ai apprécié par rapport à ces opérations, je parle par la cité ministérielle. On a démoli les maisons. En moins de 6 mois, d'autres maisons sont construites. Contrairement à Kapo-Rai, où on a démoli, on n'a rien mis. Absolument. Ça veut dire on que, a mis les gens non, dehors. Ça veut dire que, pour le bon exemple, nos autorités d'aujourd'hui devraient recenser la cité de Kamayen et Cameroun à travers ses habitants. Aller trouver un coin derrière Mafaraya, derrière Forcaria, ou vers Kindia ou Koya, mettre des logements, prendre ces citoyens, les reloger et venir casser. Ça veut dire que ceux qui viendront comme gouvernants pourraient suivre le même exemple. Ça veut dire que vous n'allez pas créer des SDF, mais vous allez créer des conditions pour...
pour reloger au moins 500. Il n'y a même pas 1000 personnes qui logent dans ces cités. Il n'y a pas 1000 familles, Khalil. Il n'y a pas 800 familles. Alors, on serait parti. On a vu l'école sur les ruines de l'habitation de Sédou Dalain Diallo. Ça a été construit en combien de temps? Justement, vraiment. En un temps record. Vraiment. En un temps record, on a construit, on a reconstruit la cité ministérielle. En un temps record, on peut reconstruire une cité qui peut abriter au moins 2000 ou 3000 personnes, c'est possible. C'est possible. Avec sa volonté. On peut casser. Je le concède. Toutes ces cités de Conakry et mettre, pourquoi pas, des buildings. Bien. Mais ce n'est pas impossible. Moi, je pense que ce qui se fait, il y a une dose de haine parfois et l'amateurisme. Oui. Il y a aussi une dose de règlement de comptes. Mais il y a aussi règlement le de mercantilisme. Compte. Règlement de comptes. Il y a le mercantilisme. Non, attendez, règlement de comptes. Mais pourquoi pas? Il y a le mercantilisme. Il y a tout cela dedans. L'incon. Aujourd'hui, l'incon. Non, non, non. Ceux à qui les marchés vont être confiés pour construire, qu'est-ce qui est derrière? Pourquoi on précipite les choses? Beaucoup d'interrogations. Pour donner donc des marchés à des mais à, peu importe, pour avoir des intérêts aussi. Des sociétés. Khalil, c'est ça. Aujourd'hui, des coquins, des coquines, ceux qui sont à l'extérieur, bien. Les investisseurs, bien. Avec les images de la Guinée, ont peur d'investir en Guinée. Bien. En Côte d'Ivoire, on ne crée pas des SDF, on crée des cités. Merci. Au Sénégal, pareil. En Turquie, pareil. Merci. Mais en Guinée, l'image qui tourne en boucle à travers le monde de la Guinée, ça ne rassure pas. Bien. C'est un état bien. Où il n'y a pas de garantie qu'il peut construire, moment, démolir comme moment, il veut. Au même moment, on parle de branding Guinée. Il faut vendre l'image de la Guinée. De l'amateurisme. L'image de la Guinée, Condé, si vous le permettez, c'est cette image de paix, de sérénité, d'unité. Cette image de joie des populations qu'il va falloir mettre en avant. C'est extrêmement important puisque celle-là, elle parle plus que tout. Hein. Elle parle plus que les jolis endroits que nous voyons à longueur de journée et sur les réseaux sociaux. Abaka Condé, rapidement, avant de donner la parole à vous. Juste pour terminer, pour Khalil. Appuyer l'aspect de l'amateurisme que dénonce Lincoln. Oui. C'est-à-dire que il y a pas de terre aujourd'hui. On veut moderniser Conakry. C'est normal. Il y avait le projet même pendant le CNDD. Bien. On dit Conakry rapidement. 2040. Merci. Aujourd'hui, vous avez des habitations qui existent. Au lieu d'économiser l'argent que vous avez passé, vous savez que vous n'avez pas de financement externe. Au lieu d'économiser l'argent, allez reconstruire d'autres cités. Laissez les bâtiments qui sont déjà là. Vous allez construire d'autres cités. Vous relogez d'autres citoyens là-bas. Bien. Au lieu de détruire le peu qui reste. Après, vous prenez encore l'argent encore pour reconstruire. C'est pas intelligent, c'est pas bien réfléchi. Merci beaucoup, Abaka Kondé. Oh là là, Lincoln qui a trop envie de parler. En une minute. Oui, c'est le seul État qui ne construit pas, mais qui démolit. Oui. Khalil. Merci. On est content pour Sékou Bembeya. D'accord. Mais cette mesure pourrait être étendue aux autres Guinéens. C'est merci, très important. Merci beaucoup, Lincoln. Mais une fois de plus encore, on est en train de faire pleurer les Guinéens. Allez, merci et beaucoup. On vous a largement compris. Mamadou Boy, tout cela, c'est ce qu'on appelle la pauvreté aussi. Hein. Évidemment. C'est vrai, il faut casser pour construire, améliorer les conditions de vie des fonctionnaires, ainsi de suite. Mais après, aussi derrière, il y a la pauvreté qu'on crée, la misère surtout. Évidemment, on crée la pauvreté, la misère, parce que derrière, ces familles, elles n'ont pas où aller. Elles vont dormir à la belle étoile avec leur famille, leurs enfants. Je pense que c'est des images vraiment désolantes. On met le focus, on parle beaucoup plus de Sékou Diabaté Bembeya. C'est normal, puisque vous le savez, dans les années 1960-1970, Sékou Diabaté Bembeya faisait partie d'un orchestre qui, en compagnie des autres orchestres de la Guinée, ont hissé haut la culture guinéenne à travers le monde. Donc aujourd'hui, on peut en quelque sorte estimer que c'est une sorte de récompense due à son rang, parce qu'il a rendu service à la nation. D'accord ? Mais de l'autre côté, il faut aussi penser à tous ces citoyens qui ont été déguerpis au même titre que Sékou Diabaté Bembeya au niveau de ces cités. Ces familles, est-ce qu'elles ont bénéficié de l'accompagnement des autorités? Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas. Alors qu'ils se murmurent, ils circulent que Sékou Diabaté Bembeya aurait reçu, je dis, mais mets ça au conditionnel, en attendant d'avoir des preuves tangibles et irréfutables par rapport au fait qu'il a reçu de l'argent de la part du colonel. Mais les autres familles, où elles vont rester? Les autres familles, ne sont-ils pas des Guinéens comme Sékou Diabaté Bembeya? Je pense qu'il faut quand même revoir cette situation. On est d'accord que l'État doit récupérer les biens qui appartiennent à l'État. C'est tout à fait normal. Personne ne peut s'opposer à une telle démarche. Mais il faut humaniser cette opération. On ne peut pas quand même continuer à mettre les Guinéens dehors comme permettez-moi l'expression, comme des animaux dans un enclos. C'est pas possible. Je pense que l'opération, elle doit être humanisée. De quelle manière? Donner des délais ultra raisonnables à ces familles de pouvoir quitter dignement ces domaines, puisque ce sont des domaines qui ne leur appartiennent pas. Il faut quand même aussi relever
que beaucoup de citoyens qui logent, en tout cas beaucoup de ces familles aussi, ils ont eu des grands-pères ou en tout cas des pères qui ont logé là depuis très longtemps. Ils sont décédés, mais ils continuent encore à loger là parce que ça a laissé faire pendant des années. Et aussi, ils n'ont pas réfléchi au fait que nous occupons des domaines nous occupons des domaines appartenant à l'État. À un moment donné, on est obligé de quitter. Donc aujourd'hui, il faut quand même humaniser cette opération. On ne peut pas continuer à mettre les Guinéens dehors. Rien qu'on rappelait le cas de Kaporo Rai. Mais c'est quand même extraordinaire. Depuis que les gens ont été déguerpis ce niveau, c'est la terre vide qui est là-bas. Certes, on voit des... on est en train de bailler, mais pour le moment, la véritable opération de construction n'a pas commencé. Alors qu'au niveau de Kamayenne, des immeubles ont poussé là. Donc, encore une fois, Khalil, l'État est dans son rôle de récupérer ce qui lui appartient. Les citoyens encore qui nous écoutent à l'instant T dans cette émission, qui continuent encore à être sur les domaines de l'État, prière de quitter, de libérer ces domaines. Puisque vous avez vu la manière avec laquelle on a déguerpi, eh bien, vos camarades, vos concitoyens. Alors qu'en temps normal, en réalité, on devrait quand même humaniser cette opération. Aujourd'hui, l'État, de l'autre côté, doit réfléchir à une politique de construction des logements sociaux. C'est très important. La terre ne finit pas en Guinée. Bien. Du côté de Dubreka, Koya et Arrière, vous avez de la terre qui est là, vide. Il faut réfléchir à construire des logements sociaux. Ça ne coûte rien à l'État. Merci. Même si ce n'est pas des immeubles R+5, R+10, mais il y a quand même aujourd'hui des architectes qui réfléchissent à des bâtiments très simples qui peuvent être construits de manière respectable dans le temps. Donc, il faut quand même mettre en exergue le fait que on doit humaniser les opérations de déguerpissement. Bien. On ne doit pas continuer à mettre les Guinéens dehors. Ce n'est pas une image reluisante. Parce que ce gouvernement de transition, cette junte militaire, elle a un temps à passer ici. Bien. Elle va partir comme les régimes précédents. Donc, il est important quand même de préserver la dignité du Guinéen. Bien. C'est que Diabaté Bembeya, aujourd'hui, merci. Il fait la une parce que tout simplement, il a été en tout cas une icône de la culture guinéenne. D'accord, on peut le concéder cela, mais pensez aussi aux autres Guinéens bien. Qui, n'est-ce pas, ont le même droit que Sékou Diabaté Bembeya. Merci beaucoup, Mamadou Boy. Et quitter dans ces cités de manière digne et respectable. C'est Film Guinée que vous écoutez, la radio de communes renommées. FIM FM, indistinctement, irréversiblement, tous jetés en pâture et au final, tous condamnés par la commune renommée. Parce que quelqu'un a décidé qu'il en soit ainsi. Friedrich Nietzsche a eu raison de dire « Méfiez-vous de tous ceux en qui l'instinct de punir est puissant. » FIM FM, rempart contre une justice à deux vitesses. FIM FM, le supplément du débat hot, des analyses pointues, de l'information triangulée. Le supplément, c'est aussi des enquêtes fouillées, des interviews choc. FIM FM, le supplément, votre supplément d'âme et de débat tout court. FIM FM, le supplément. Le débat politique ne s'arrête pas sur FIM FM. L'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Ibrahima Khalil Diallo. Vous nous suivez un peu partout dans les 5 communes de Conakry en modulation de fréquence sur la 95.3 en bande FM. Vous nous écoutez également dans certaines villes de l'intérieur du pays, donc de la Guinée profonde, notamment à Faloulaï, c'est à Sougueta, Mamia, Tounifili, à Kolissoro, c'est dans la préfecture donc de Bofa. Là-bas, on y mange du bon konkoy. Également du Gwangwante, vous nous écoutez aussi du côté de Falesade et c'est dans la préfecture de Dubreka. Là-bas, on nous cuisine du bon kassa-kassa, fait à base de manioc. Merci de votre fidélité aussi du côté de Dantari Kala, c'est dans la préfecture de Dalaba, chez nous, chez moi. Merci de nous rejoindre, nous sommes ensemble jusqu'aux portes donc de 11h sur Film Guinée. Ici, j'aime souvent le rappeler, on n'a qu'une seule vocation, vous aider à mieux comprendre l'actualité hein, dans toute sa dimension et sa diversité. Cité autrement dit, faire de vous les premiers et les mieux informés ici en Guinée. Alors, on en vient à ce sujet. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Maury Kondé, a demandé aux élus locaux de se préparer avant le 18 février prochain, date d'expiration de leur mandat, Mamadou Boy, ils seront tous remplacés et automatiquement, ipso facto, par des délégations spéciales. Et il faut-il préciser que quand même ces élus locaux sont tous issus du scrutin du 18 février 2018.
Ah oui, Khalil, cette information est tombée hier comme un coup de massue sur la tête de ces élus locaux. Et vous l'avez rappelé, c'est en février 2018 que ces élus locaux ont été élus à l'issue du scrutin qui a fait agir beaucoup de problèmes dans la cité, vous vous en rappelez sans doute. Alors, Mori Kondé, en compagnie de certains de ses collègues ministres, était du côté de Kindia hier dans la ville des Agrumes pour y prendre part à une rencontre axée sur la gouvernance locale. Donc, le ministre de l'administration du territoire a annoncé que le 18 février 2023, eh bien, ces élus locaux seront remplacés par des délégations spéciales. Mais il faut quand même contextualiser les choses. C'est que leur mandat arrive quand même à expiration en 2023. D'accord ? Puisqu'ils ont été élus en 2018. 2018-2023, ça vous fait 5 ans. C'était le mandat à la tête de ces communes. Mais la question qu'il faille se poser, est-ce qu'en optant pour une telle démarche, le CNRD est-il légitime pour continuer à dérouler de telles actions sur le terrain? La question se pose, mais de l'autre côté, actuellement quand même... Oui, mais le mandat de ces, de ces maires expire quand même très bientôt. C'est ce que je dis, mais ça, de l'autre côté quand même, on peut donner du crédit, puisque à date, c'est le CNRD quand même qui dirige le pays, jusqu'à preuve du contraire. Donc, moi, à mon entendement, je voudrais quand même que la mise en place de ces délégations spéciales obéisse quand même à une certaine éthique. Puisqu'on ne peut pas concocter des hommes comme ça et les mettre là pour faire votre affaire. Et puisque vous vous rappelez, il y a certains conseillers qui ont été dégommés, qui ont été dissous pour mauvaise gestion. On a vu tout cela ici. D'autres n'ont même pas été remplacés depuis qu'ils ont été dégommés, en tout cas dissous pour mauvaise gestion. Donc moi, je voudrais quand même que cette opération se passe dans les règles de l'art, qu'on n'essaye pas de fabriquer, entre guillemets, des délégations spéciales taillées sur mesure pour continuer à vous soutenir, à vous aider, alors que derrière... Certes, ce mandat arrive à échéance, est déchu au niveau en février 2023, mais je pense quand même. Qu'est-ce que vous appelez délégation spéciale taillée sur mesure? Non, les délégations spéciales taillées sur mesure. N'oubliez pas, aujourd'hui, le CNRD a les leviers du pouvoir. Qui va les nommer là? Mais c'est par arrêté ministériel là. Et qui en mettra? C'est Mori Kondé qui va choisir des hommes et c'est pas un crime. C'est pas un crime. Mais attention. C'est pas un crime. C'est le ministre de l'administration. Je suis d'accord avec vous. Je vous le rappelle, Boy. Je le sais. Quand même. Vous n'avez pas besoin de me rappeler ça. Je vous le rappelle très bien. Puisque vous parlez mais comme si. C'est que je voudrais souligner. Ils sont pas nommés par Dieu. C'est la mise en place de délégations spéciales. Je voudrais que cela obéisse à un certain sérieux pour ne pas qu'on retombe dans les mêmes histoires du passé. Parce que vous le savez, Alpha Condé, à un moment donné, avait remplacé des délégations spéciales. Et vous savez, le choix, comment cela a été fait, cela a beaucoup plus contribué à amener des problèmes dans ces communes respectives que d'en résoudre. Donc moi, je veux vivement aujourd'hui que cette opération se passe quand même avec un certain respect. Et surtout, les hommes et les femmes qui doivent être choisis pour composer ces délégations spéciales soient vraiment portés sur l'amélioration, en tout cas, des conditions de vie des citoyens de leur juridiction respective, mais que cela ne soit pas dans du tape à l'œil. Bien, Emmanuel Milimono, comment vous avez accueilli cette annonce de Mori Kondé? Il faut préciser qu'il est dans son rôle, hein, Emmanuel. C'est pourquoi je voulais commencer par dire que sur le principe, il n'y a pas le feu à la demeure. Vous aurez autant de paroles, Khalil. On va laisser Emmanuel. Allez-y. C'est Khalil qui ne parle pas, moi. Allez-y. Khalil n'aime pas souffrir d'écouter parfois. Khalil Camara, précisez, Khalil Camara. Khalil Camara n'aime pas souffrir d'écouter parfois. Allez, d'accord. C'est mon opinion. Oui, allez-y. Je dis que je pense qu'il n'y a pas le feu à la demeure. Parce que c'est important de le rappeler, ces délégations, enfin, ces communes sont issus d'élections locales qui se sont tenues en février 2018. Donc, techniquement, février 2023, ils arrivent à la fin de leur mandat. Et quand des communes arrivent, que ce soit d'ailleurs des communes ou toute autre institution dont les membres sont élus, donc demandent la voix des concitoyens pour exercer, quand vous arrivez au terme du mandat, de facto, la légitimité n'est plus là. Et c'est pourquoi la loi est effectivement prévue, donc, pour permettre, en l'absence de la légitimité, pour permettre au moins à la légalité d'exister, c'est pourquoi la loi a prévu la mise en place de délégations spéciales. Mais là où il est quand même important,
On ne dit pas que c'est un processus qui a toujours été propre sur toute la ligne depuis Alpha Condé, évidemment. On sait que ça n'a pas été toujours propre, transparent, mais ce n'est pas comme si aussi le ministre de l'administration du territoire s'assoit à Conakry et puis il va y tirer les gens par les cheveux pour composer les délégations spéciales. Il reçoit des propositions émanant de ces conseils-là, émanant de ces communes. Ce n'est pas lui qui s'assoit, qui fait une liste et qui l'envoie. Il peut mettre ses propres hommes. Non, attention, s'il vous plaît. On laisse Emmanuel terminer. On arrive par rapport. On laisse Emmanuel. Bon, les ciseaux pour Mamadou et Lincoln. Je voudrais. On laisse Emmanuel terminer. Que personne ne vous dérange. Allez-y. Vous êtes convaincre du contraire. Parce qu'évidemment, dans ces pays aussi, nous sommes beaucoup dans la présomption. Tout le monde doute de tout le monde. Quel que soit l'acte que vous faites, quelqu'un dira toujours que vous avez triché quelque part. On doute tous. Et c'est cela le gros problème de ces pays, d'ailleurs, le manque de confiance. Personne ne veut s'asseoir avec l'autre. Moi, je dis une chose, le processus tel qu'il est fait, vous pensez que vous pouvez vous asseoir, tirer les gens par les cheveux comme ça dans des communes et puis dire que c'est eux qui vont former des délégations spéciales, alors que la mairie que vous avez dissoute est composée d'acteurs de grands partis politiques qu'on connaît dans ces pays et que ces derniers s'asseyent pour croiser les bras? Attention, je ne suis pas en train de dire que le processus a toujours été correct. Non, je reconnais que le processus parfois a été biaisé. Mais là où il est souvent biaisé, c'est dans les guerres de leadership, de positionnement entre les différents acteurs de ces communes-là. Quand, par exemple, vous ne pouvez pas, par exemple, composer une délégation spéciale sans que un membre du RPG n'y soit, sans qu'un membre de l'UFDG n'y soit, sans que la société civile n'y soit représentée. Mais c'est, la question qui se pose parfois, les dénonciations, c'est quand le RPG rate la présidence, il dit que c'est Mori Kondé qui a composé la liste. Quand l'UFDG rate la présidence, il dit que c'est Mori Kondé qui a composé la liste. Pourtant, on sait que les acteurs sont proposés au niveau local et c'est cette liste-là qui est confirmée par arrêté du ministre de l'administration du territoire. Maintenant, je dis encore une fois, le processus n'est pas toujours transparent sur toute la ligne parce que c'est quand même politique avant tout. Et quand c'est politique, évidemment, le régime ne croise pas les bras pour regarder les choses faire. Les gens, ils veulent toujours avoir une certaine longueur d'avance sur la gestion de ces collectivités parce qu'elles sont extrêmement importantes. Importantes pour comment on appelle, celui qui a le pouvoir, mais aussi importantes pour les acteurs politiques au niveau local. Mais l'autre point de vue que je vais évacuer rapidement, c'est que sur le plan de la légitimité, une fois que ces élus locaux ont atteint la fin de leur mandat, de facto, ils sont dissolvables. Et c'est ce que Alpha Condé a fait quand il a pris le pouvoir en 2010. Ils étaient là depuis des années. Il n'y avait pas eu d'élection locale entre-temps. Évidemment, l'installation, la mise en place des délégations spéciales, c'était comme si c'était automatique. Maintenant, c'est comment... Comment procéder pour mettre en place? C'est la question qu'il fallait se poser. Mais le principe de la mise en place de délégations spéciales, c'est automatique lorsque les mandats sont déchus. Et je rappelle que c'est d'ailleurs l'un des aspects qui a été défendu par Dadis Camara lorsqu'il a pris le pouvoir en 2008. La Constitution avait pris le transfert de pouvoir au président de l'Assemblée nationale qui organise les élections en cas de vacance du pouvoir. Mais pourquoi ils ne pouvaient pas organiser les élections? Pourquoi les militaires avaient le champ libre? Pourquoi Dadis a dit que le pouvoir était dans la rue? Parce que l'Assemblée nationale avait aussi atteint la limite de son mandat. Donc, ça laisse un vide juridique auquel il faut faire face. Et en la matière, la loi a prévu des délégations spéciales. Mori Kondé n'est pas en train d'attiser le feu. Il va juste falloir respecter les procédures en la matière, faire en sorte que les acteurs qui vont composer ces délégations spéciales soient, en quelque sorte, au moins des leaders dans leurs différentes collectivités, le temps de pouvoir organiser ces élections. Bien, Emmanuel Milimono, Khalil Camara, de l'heure du juriste que vous êtes, est-ce que Mori Kondé est dans son rôle en termes de légalité, en termes de légitimité? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, il peut remplacer ses maires par des délégations spéciales? Même si certains me diront que la question ne se pose pas. Si nous parlons... Mais pour aider les gens à comprendre. Si nous parlons du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, j'aimerais dire que ce n'est pas important de parler de la légalité. Ce n'est pas important de parler de la loi. Parce que c'est un département qui ne s'en fout pas mal de la légalité. C'est un département qui agit. J'assume ce que je dis. Oui, allez-y. Je parle des faits. Allez-y, oui. C'est un département qui n'a jamais respecté la loi, notamment le code des collectivités locales. Alors, et pourquoi? On en parlera dans un instant. En attendant, on va encore céder la place. Donc, à l'écran publicité, on va partir avec la publicité, les infos. On se retrouve juste après pour poursuivre ce débat sur Film Guinée. Oui.
Mon choix, ma confiance, pour moi et pour ma famille, c'est ODAB Multi-Industrie. Omi, la marque de la qualité. Vous n'avez pas de matériel, vous? Ma perceuse déconne. Il n'y a pas longtemps depuis que je l'ai achetée. Il y a trop de contrefaçons dans ce pays-là. Ah, tu ne connais pas la boutique Total Outillage à Koloma? Ne cherchez plus ailleurs. Total Outillage est là pour vous. Nous vous proposons une gamme de matériel de travail répondant à vos attentes. Des outils comme des perceuses à percussion, des lames de coupe carreau, des générateurs à essence, des régulateurs de tension automatique, des chaussures et masques de sécurité, des ciseaux à bois entre autres. Avec Total Outillage, vous avez la solution à vos soucis. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagnant mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père, je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. Et le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais offert était le cadeau du temps et je lui reste fidèle. Plus d'infos, contact @mounagroup.com. Téléphone plus 224 628 34 0101. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. Ma confiance, pour moi et pour ma famille, c'est ODAB Multi-Industrie. ODAB, ODAB, ODAB. Omi, la marque de la qualité.
Vous n'avez pas de matériel, vous? Ma perceuse déconne. Il n'y a pas longtemps depuis que je l'ai acheté. Il y a trop de contrefaçons dans ce pays-là. Ah, tu ne connais pas la boutique Total Outillage à Koloma? Ne cherchez plus ailleurs. Total Outillage est là pour vous. Nous vous proposons une gamme de matériel de travail répondant à vos attentes. Des outils comme des perceuses à percussion, des lames de coupe carreau, des générateurs à essence, des régulateurs de tension automatique, des chaussures et masques de sécurité, des ciseaux à bois entre autres. Avec Total Outils, vous avez la solution à vos soucis. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagnant mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps. Et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père, je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. Mais le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais offert était le cadeau du temps et je lui reste fidèle. Plus d'infos, contact @mounagroup.com. Téléphone plus 224 628 34 01 01. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux.
FM, première sur l'info. Surf de l'actu, Mariama Diomboba. Bienvenue à tous dans ce surf de l'actu. L'ancien président de l'Assemblée nationale hospitalisé en cardiologie à l'hôpital Ignace Dine depuis quelques semaines est gravement malade. Sa vie serait en danger selon ses proches qui se sont confiés chez nos confrères de mosaïqueguinée.com. Amadou Damaro Camara est frappé par une insensibilité de ses orteils qui affecte grièvement son état de santé devenu très fragile. Depuis la mort de l'ancien président de la CENI et son co-détenu, l'état de santé de Damaro s'est totalement dégradé. Et puis la direction de l'Office de régulation des agences de sécurité et de protection décide d'arrêter temporairement la délivrance et le renouvellement des agréments en faveur des entreprises et sociétés de sécurité. Elle l'a fait savoir à travers un communiqué. A signaler que cette décision a pris effet depuis hier, vendredi 6 janvier. Le communiqué précise que le renouvellement des agréments fera l'objet d'un autre communiqué. Sur le continent, le trafiquant d'êtres humains le plus recherché au monde est arrêté au Soudan. Kidan Zekarias Abtemariam s'était échappé d'une prison éthiopienne en 2021 avant d'être condamné par contumace à la prison à vie. Il a été arrêté le 1er janvier dernier au Soudan lors d'une opération de police internationale menée avec Interpol. Ce ressortissant érythréen faisait l'objet de deux notices rouges d'Interpol émises par l'Éthiopie et les Pays-Bas pour notamment trafic de migrants et traite d'êtres humains. Ailleurs, un journaliste iranien a été arrêté après avoir mené des entretiens avec des familles de prisonniers condamnés à mort en lien avec les manifestations déclenchées par le décès en détention d'une jeune femme, a annoncé ce vendredi un quotidien réformateur. C'était donc Surf de l'actu à tous. Merci de l'avoir suivi. FIM FM, de l'info non. Mon choix, ma confiance, pour moi et pour ma famille, c'est ODAB Multi-Industrie. ODAB, 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 ODAB. Omi, la marque de la qualité. La qualité. Vous n'avez pas de matériel, vous? Ma perceuse déconne. Il n'y a pas longtemps depuis que je l'ai achetée. Il y a trop de contrefaçons dans ce pays-là. Ah, tu ne connais pas la boutique Total Outillage à Koloma? N'y cherchez plus ailleurs. Total Outillage est là pour vous. Nous vous proposons une gamme de matériel de travail répondant à vos attentes. Des outils comme des perceuses à percussion, des lames de coupe carreau, des générateurs à essence, des régulateurs de tension automatique, des chaussures et masques de sécurité, des ciseaux à bois, entre autres. Avec Total Outillage, vous avez la solution à vos soucis. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagnant mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Interview Choc. FIM FM, le supplément, votre supplément d'âme et de débat tout court. FIM FM, le supplément. Le débat politique ne s'arrête pas sur FIM FM. L'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Ibrahima Khalil Diallo.
Tous les matins, du lundi au samedi, vous avez rendez-vous avec le supplément d'infos sur Film Guinée de 8h à 11h. Merci de nous rejoindre. Nous sommes encore ensemble pour une heure d'infos, de décryptage, d'analyse de l'actualité. Je le rappelle que notre invité exceptionnel ce samedi, c'est Ibrahima Lissa Faye. Il est le directeur de publication de presseafrique.com, président de l'association des éditeurs et professionnels de la presse à ligne, membre de la coordination des associations de presse au Sénégal. Avec lui, il sera essentiellement question, vous le savez, de la détention, bien entendu, de notre confrère sénégalais, Papé Alé Niane. Il va prendre la parole, bien entendu, depuis Dakar. Ça sera au compte de la rubrique le Hard Talk. Il s'exprimera aux alentours de 10h40 au compte de cette émission. À venir aussi, cette question. Le colonel Mamadi Doumbouya, est-il sous les traces de Alpha Condé? En tout cas, il semble aujourd'hui, selon de nombreux observateurs, prendre la même voie que le président qu'il a renversé. Ou pire, celle du capitaine Moussa Dadis Camara. Bien entendu, le leader du CNDD, la jeune qui avait mené le pays au chaos en 2009, lors d'une précédente transition, puisque de nombreux acteurs politiques et sociaux se trouvent aujourd'hui en prison ou sous contrôle judiciaire. Et qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Eh bien, on en parlera dans un instant. Vous êtes des milliers de personnes à réagir chaque matin aux différentes thématiques débattues dans cette émission. Sur toutes nos déclinaisons numériques, vous êtes nombreux à prendre la parole pour exprimer vos opinions. Eh bien, on va se faire le devoir de les relayer. Habib Hore Koubisso, par exemple, nous écrit sur notre chaîne YouTube. Et il nous dit ceci. Bonjour, monsieur le président de la Ouma, l'éternel. Oh là là. Et bonjour à mon Dingiraï natal. Au fait, de toutes les façons, leur mandat prendra fin en février 2023. C'est ce qu'il faut savoir. Et si Mori Kondé décide de le remplacer par des délégations spéciales, c'est son droit, mais que cela soit fait dans les règles de l'art. Et c'est Habib Hore Koubisso, l'enfant de Dingiraï, patron des auditeurs de films Guinée à Kankan Nambaya, donc qui nous envoie ce message. Habib, voilà, ce message a été déjà relayé. Une autre réaction, celle de Sana Fatoumata Camara, qui nous dit ceci. Bonjour Monsieur Diallo et bonjour à toute l'équipe du jour. Dans toute chose, il y a l'exception. Sékou Diabaté ne devrait pas être victime de ce déguerpissement. Eh bien, c'est Sana Fatoumata et donc Camara qui le dit. Walid Barry aussi nous écrit. Bonjour, Lincoln, vous n'avez pas compris, mais il faut essayer de redorer l'image de la capitale. C'est une fierté pour tous les Guinéens. Pour les reloger, c'est une vérité. L'État aussi manque de stratégie. Je vous suis depuis Tanené et Bouramaya. Mahmoud Abdallah Camara n'est pas aussi en marge des réactions ce matin et il nous dit ceci du côté de l'UDG. Et voilà, on vous salue, on vous dit bonjour. Bonjour à toute l'équipe. La Guinée est devenue une source de difficultés pour ses citoyens. Je me demande pourquoi nos autorités ne mettent pas en place un mécanisme de diversification des lieux où les gens pourront s'en procurer délibérément, librement. Et voilà leurs documents d'identification. Et surtout, ce n'est pas gratuit. La population en a vraiment en a marre de l'axime de l'État. Il faut qu'ils fournissent l'effort pour satisfaire les besoins donc, de ces citoyens. Beaucoup de réactions ce matin, beaucoup de messages. Kéry, le Madrilin, Baldé de la plateforme des auditeurs de Film Guinée aussi, nous écrit. Il nous dit bonjour Khalil, bonjour à tous et bonjour à mes parents de Djigué, dans Diarilabé. Notre pays est sur une pente très glissante et tous les signaux sont au rouge. Au colonel Mamadi Doumbouya de revoir son premier discours du 5 septembre 2021 pour nous sortir dans cette transition. Abdourahmane Sano, inculpé. Et sur quelle base? Je demande l'avis de Khalil Camara. Bonjour à mon cher Lincoln Souma. Bonne journée à vous. C'est le premier et le mieux informé de l'Ambani, Tierno Abdoul Baldé, qui nous envoie ce message. Beaucoup de réactions ce matin. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Le temps pour nous de poursuivre cette émission juste après cette petite virgule. Film FM, le fer contre le fer. Devant une adversité insidieuse et destructrice, il n'y a d'alternative que d'aller au charbon. Pour renfort de potage, François Mitterrand enseigne, dans les épreuves décisives, on ne franchit correctement l'obstacle que de face. Les Warriors de Film FM. Film FM. Prêt au combat. Film FM, le supplément. L'art de disséquer,
de retourner l'actualité sous toutes ses coutures. C'est aussi la magie de la dialectique constructive en vue d'une Guinée nouvelle. FIM FM, le supplément d'énergie positive pour une Guinée émergente et vertueuse. FIM FM, FIM FM, le supplément. Le supplément d'ensemble. Aux opérations techniques, c'est Tcherno Hassan Diaoné, assisté de deux gazelles, Fatoumata Barry et Saramba, bien entendu, qui nous accompagnent à ce niveau. Du côté de la régie, c'est le colosse Ibrahim Silla, appuyé par le Golden Boy, Ali Badra Kourma, qui manie les boutons à ce niveau. Merci de nous rejoindre. Allez, Khalil Camara, on parlait de cette annonce de Maurice Kondé. Maurice Kondé qui annonce la mise en place des délégations spéciales à partir du mois de février. Est-ce qu'il aide à la légalité? Est-ce que c'est maintenant on va parler de la légalité? On ne s'est jamais interrogé sur la légalité quand les conseils communaux ont été dissous. Est-ce que c'est maintenant qu'on va parler de légalité? Il n'y a jamais eu de légalité dans le fonctionnement du ministère de l'administration. Je le dis encore et je le répète. Depuis belle lurette. Depuis le 5 septembre 2021 jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu, je le dis, de l'égalité dans la gestion du ministère de l'administration du territoire. Et comment ça? Parce que je commence par les conseils nationaux que j'ai largement expliqué dans ce studio. La loi n'a pas été respectée. On a violé la loi parce que les conditions de dissolution d'un conseil communal n'ont pas été respectées, n'ont pas été vues comme c'est posé par la loi. Ce sont ces conditions. Par exemple, si les conseillers communaux ont été reconnus, le tiers, parce qu'il faut déterminer le nombre. Le tiers des membres du conseil communal ont été reconnus, par exemple, coupables de violations de la loi ou bien de corruption. On peut dissoudre le conseil communal. Ce n'est pas été le cas. On a dissous les conseils nationaux. Mais ça, c'était avant, sauf que là, c'est totalement différent. Je viens sur les faits. Allez-y. Je veux dire qu'à partir de là, on ne peut plus parler de légalité. Donc, si on parle de la mise en place des délégations spéciales aujourd'hui, pour moi, c'est un prolongement de cette illégalité au niveau des conseils communaux. À partir du moment où la dissolution, il n'y a pas eu de respect, donc maintenant, parlons plus de cela. Moi, j'estime que le président Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État contre la présidence, contre les institutions. Maurice Kondé a fait le coup d'État contre les conseils communaux. C'est très clair. Parce que quand déjà vous foutez de la loi. C'est-à-dire que la loi, vous venez trouver une loi en place qui vous dit si vous voulez prendre tel acte, voilà la procédure à suivre. Alors cette question simple, pour nos auditeurs qui nous suivent, parce qu'ils doivent comprendre, en quoi Maurice Kondé a violé une loi? Comment il a violé une loi? Mon cher Romo, vous me suivez? Oui. Je dis bien, oui. La dissolution, à partir de là, la dissolution, les conditions posées pour la dissolution, ça n'a pas été respecté. C'est-à-dire la dissolution de certains conseils communaux. Ça n'a pas été respecté. Auparavant. Évidemment. N'a pas obéi évidemment. Au respect de la loi. Si vous voulez, je reviens sur ces conditions. Les conditions sont posées à l'article 100 du Code des collectivités locales. Le conseil communal ne peut être dissous qu'en vertu de l'article 80 du Code des collectivités locales. On va prendre l'article 80 du Code des collectivités locales. Cette loi prévoit que lorsque le tiers des membres du conseil communal a fait l'objet de 3 suspensions, le conseil communal peut être dissous. Cela a été le cas. Est-ce qu'il y a un conseil communal qui a fait l'objet de 3 suspensions pour qu'il soit dissous en Guinée depuis que Maurice Kondé est là? Je vous dis non. C'est la première condition. La deuxième condition, le conseil communal ne peut être dissous que si le tiers des membres du conseil communal a été reconnu coupable à travers une décision de justice définitive. C'est-à-dire que la décision a déjà acquis la force des choses jugées, on peut dissoudre le conseil communal. Est-ce que cela a été respecté? Ça n'a pas été respecté. On est parti sur la base des suspicions, des soupçons, et on a dissous le conseil communal, les conseils communaux. Parce que quand, par exemple, un maire se rend coupable de corruption, de détournement de données publiques, on ne peut pas dissoudre tout un conseil communal sur les manquements du maire. Ça ne se fait pas. Parce que les conseillers communaux qui sont dans les conseils communaux, ils ont un mandat. Ce mandat, ils l'ont acquis à travers une élection. Donc, ils sont légitimes. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un conseil communal, vous avez commis un manquement et directement tout le conseil communal en paie les frais. Ça ne se passe pas comme maintenant, ça. Ce qui concerne, l'expiration des mandats de ces conseils maintenant, communaux. Maintenant, je reviens au sur moins, ça. Au moins sur cette question, sur ce point, Maurice Kondé est dans la légalité. Je dis non. Ah oui? Oui. Mais comment ça? Au regard de l'article 88 du Code des collectivités locales, oui, le mandat des conseils communaux, c'est 5 ans. Renouvelable
renouvelable. On est d'accord. Maintenant, une seule fois. Oui, maintenant on est d'accord. Maintenant, en ce qui concerne l'expiration du mandat des conseils communaux, je vous dis qu'expressément, ce n'est pas prévu par la loi. Mais nous allons partir sur la base des principes. D'abord, l'article 101 du Code des collectivités locales pose des conditions de la mise en place d'une délégation spéciale. La première condition, c'est lorsque l'ensemble des membres du conseil communal a démissionné, on peut procéder à la mise en place d'une délégation spéciale. C'est la première condition. La deuxième condition, lorsque, par exemple, à la suite de l'organisation des élections, les résultats ont été annulés avant l'organisation d'une nouvelle élection, on peut mettre en place une nouvelle délégation spéciale. La troisième condition, c'est lorsqu'il y a des troubles graves empêchant le fonctionnement du conseil communal, on peut mettre également en place une délégation spéciale. Mais vous allez voir aujourd'hui que nous ne sommes dans aucune situation. Oui, mais le 18 février, non, attendez, le mandat. Attendez, vous ne comprenez pas. Bien. Alors, non, je vous pose cette question. Cette fois-ci, c'est Emmanuel qui va souffrir de mes côtés. Non, je vous pose cette question. Voilà. Attendez. Voilà. On va se calmer. Je vous pose cette question simple parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, ils veulent savoir. Alors, 18 février prochain, le mandat de ces conseils communaux va expirer, va arriver à terme. Je voulais vous dire. Attendez. Est-ce qu'en ce moment-là, la loi ne donne pas le pouvoir au ministre de l'administration du territoire, pas du tout, n'est-ce pas, pas du de procéder à la mise en place des délégations spéciales? Si vous m'avez bien suivi, bien. J'ai cité les conditions de la mise en place d'une délégation spéciale. Donc on doit laisser faire. L'expiration du mandat du conseil communal n'est pas une cause de la mise en place de la délégation spéciale parce que ça ne fait pas partie des conditions. Donc si on comprend, on doit laisser faire quoi. Non, attendez, oui. attendez. Oui. Je vais allez-y. Être très clair pour les auditeurs. Allez-y. Soyons clairs. Oui, fermez le micro des Soyons clairs que l'expiration du mandat d'un conseil communal n'est ni une condition ni une cause de la mise en place d'une délégation spéciale. J'ai cité clairement les conditions ou les causes de la mise en place d'une délégation spéciale. Ça ne fait pas partie. Maintenant, je reviens sur les principes. Parce que je dis que expressément, ce n'est pas prévu par la loi qu'à la fin du mandat des conseils communaux, s'il se trouve qu'il n'y a pas eu d'élection, qu'est-ce qui va survenir? Mais partons sur le principe. Les principes voudraient, quand par exemple il y a une assemblée nationale ou il y a un président de la République en fonction, lorsque son mandat arrive à terme et que les élections ne sont pas organisées, le président reste en fonction jusqu'à l'organisation des élections, jusqu'à la prise, c'est-à-dire à l'installation du nouveau président. C'est le cas pour l'Assemblée nationale. Quand vous prenez l'Assemblée nationale, les députés sont là, leurs mandats sont arrivés à terme, ils restent en fonction, ils restent à l'Assemblée nationale jusqu'aux nouvelles élections, jusqu'à l'installation des nouveaux députés. Donc le principe voudrait que les conseils communaux qui sont aujourd'hui dans les mairies restent en fonction jusqu'à l'organisation des élections. Qui doit organiser les élections? C'est l'État. L'État a le devoir d'organiser les élections. Donc si l'État, par ses manquements, n'est pas arrivé à organiser les élections, ce n'est pas la faute aux conseils communaux. Mais le résultat, c'est connu. Je l'ai dit, je le redis. Merci. L'objectif aujourd'hui, c'est mettre les hommes qui sont dans l'esprit du CNRD au niveau des mairies. Merci, c'est aussi simple que cela. Merci beaucoup Khalil. Oui, Abakar Kondé, on vient de suivre ses explications. Juridiquement, ça passe bien. C'est consommable. Activez son micro. Il y a un vide juridique dans ce qui concerne la procédure d'installation des conseils des délégations spéciales. Il y a un vide. Malheureusement, le législateur n'a pas prévu combler ce vide-là. Mais je crois qu'on est en train de se mentir, de se tromper et être à la limite naïf. Des gens, je vais imaginer le concept. Il y a quelqu'un, un voleur vient chez vous, armé jusqu'aux dents, par effraction, met tout le monde au respect, commence à soutirer vos biens. Et vous lui dites non, qu'il n'a pas respecté la procédure. Vous parlez à qui comme ça? À un voleur? À un malfrat? Le CNRD est venu par effraction au pouvoir, a mis tout le monde au respect. Le président légalement élu, il a été débarqué. À partir de ce fait, toutes son les institutions. Son assemblée, voilà, tout a été dissous et on a même applaudi. Voilà, à partir de ce fait-là, toutes les institutions sont dissoutes. En fait, le CNRD a joué sur la naïveté du Guinéen pour faire un semblant de respect de la législation, de la loi. Par le même moment, on dit toutes les institutions sont dissoutes, la loi est suspendue. De quelle loi maintenant parlons-nous? Quelle est la loi qui régit le fonctionnement des maires, des communes? Elle n'existe pas, elle a été suspendue. Aujourd'hui, il y a un vide dans le fonctionnement de ces communes à partir du moment qu'il y a un coup d'état de fait.
Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas être trop naïf. Il faut comprendre que c'est le communiste qui continue. L'impérialiste n'est pas ailleurs, il est ici, il est sous nos yeux. C'est le CNRD qui est l'impérialiste, qui joue aujourd'hui, qui impose son dictat partout, à tout le monde. Aujourd'hui, on va demander, puisqu'il y a un vide juridique dans l'installation de l'élégance spéciale, on va trouver des copines, des cousines, des cousins, qu'on va installer. Mais vous ne pouvez rien contre ce système-là. Il est fait comme ça, le coup d'État a été pris, a été fait par un groupe. Ce même groupe-là va continuer à vous régner pendant plus de 2 ans. Et puis vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter. Parce qu'il y a l'arme, il y a l'arme qui est là. Ils nous gouvernent par la force, par l'arbitraire, par les armes. C'est de cela qu'il s'agit. Vous voulez qu'on dise quoi d'autre? L'éducation spéciale, qui n'a qu'à tout. Moi, j'étais d'ailleurs étonné qu'on puisse rester jusqu'à un an. Ces communes ont continué à exister. À partir du 5 septembre 2021, ces communes n'étaient plus maintenant fonctionnelles à partir de ce coup d'État-là. Les communes, l'Assemblée nationale, les institutions ont été dissoutes. Ça a été dit devant tout le monde. Ils avaient les armes devant le petit écran. Aujourd'hui, vous voulez qu'on nous respecte quelle loi, quelle procédure? Bon Dieu, ça, ils vont rien à respecter. Ils vont continuer à dérouler leur agenda. Vous allez vous attendre dans les jours à venir. C'est-à-dire que le principe vaudrait, quand vous voulez installer une délégation spéciale, bien, puisque c'est dans une commune, c'est dans une localité, que vous faites un sondage d'opinion au niveau de la collectivité, prendre des gens qui peuvent être au service de la communauté. Mais ce ne sera pas le cas. Vous serez étonné. On va prendre des copines, des cousines, des cousins qu'on va installer. Et puis finalement, vous n'avez qu'à vos yeux pour pleurer. C'est tout. Donc, il ne faut pas qu'on. C'est un débat inutile d'ailleurs. Bien. Parce que c'est un coup d'État qui a été perpétré le 5 septembre. Bien. Ce coup d'État-là va s'élargir sur toutes les institutions, qu'on le veuille ou pas, puisqu'ils ont la force de la loi. Ils vont continuer encore à nous imposer leur dictat. Bien. Donc, je pense qu'il n'y a pas de polémique à faire. C'est un débat inutile, c'est un débat stérile. Les communes sont là. Les impérialistes sont là, ils vont continuer à faire leur sale besoin. Abaka Kondé, directeur de l'information de Sabari FM. Oui, le vieux très très barbu, Ibrahim Sor, il est un consommateur tellement apprécié pour donner son opinion sur ce sujet. Est-ce que vous partagez l'avis de Abaka Kondé, qui pense que déjà, à partir du moment où un coup d'État a été perpétré contre un président, disons légalement élu, et voilà, à partir de ce moment-là, il n'y a pas lieu quand même de crier partout. Si on touche, on arrivait à toucher les communes. Toutes les lois de la Guinée n'ont pas été remises en cause. Donc, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je voulais juste rallonger sa liste. Il parle des cousins et des cousines. Il devrait ajouter les copines, les belles-sœurs aussi. Hein, parce qu'on a... Attendez, restez sur le sujet. Il y a sur le sujet. Il a dit non. Restons, non, mais ça c'est trop bas en fait. Non, c'est pas trop bas. Non, c'est trop bas, l'inconnu. Allez-y. D'accord, moi, allez-y sur le sujet. Sur le sujet. J'ai dit. Oui, ramenez-nous dans la salle, l'inconnu. La salle est là. J'ai les preuves, Khalil. Moi, je n'accuse pas. Attends, il faut rajouter les copines, les cousines, les belles-sœurs et les belles-mères. D'accord. On a vu dans le choix du CNT. Il y a des belles sœurs. Sérieux? Qui ont été imposées. Lincoln. Mais bien sûr. Lincoln, vous avez les preuves de ce que vous dites là. Les belles sœurs des ministres qui ont été imposées. Au CNT, bien non, sûr. Non. Il y en a. Vous n'en avez pas la preuve. Khalil, vous n'en avez pas la preuve. J'ai la preuve, on va voir la justice. Non. Si. On va voir la justice. Là, vous noyez, hein. Non, je me noie. Vous noyez pas. En direct. Khalil, non. Il y a toujours. On risque de porter plainte contre vous. Non, la plainte. Il y a quelqu'un au CNT qui n'a pas été présenté par une. Qui a été imposé au nom d'une structure et ce n'est pas le cas. Et qui est belle sœur de quelqu'un. Est-ce que les gens viennent des structures ou pas? C'est l'essentiel. Je dis imposé au nom d'une structure, elle n'était pas membre de la structure. Bien. Elle n'y était pas membre, pas du tout. Mais ça a été dit, c'était un passage de force. Et tout puis, le crime de cette dame, c'est d'être belle sœur de qui? D'un ministre. D'accord, d'un ministre. Bien. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est l'inconnu qui le dit. Allez-y. C'est la vérité. Oui. Moi, je ne suis pas contre le départ de ces conseils communaux, puisque leur date est arrivée à expiration. Tout mon problème aujourd'hui est ailleurs. Ces conseillers doivent partir, mais l'État pouvait être en mesure d'organiser les élections pour les remplacer. C'est encore la bonne manière. Mais plus loin, Khalil, on pense que ces différents conseils devraient partir en février 2023. C'est pas on pense, c'est la loi qui le dit. Non, il y a une erreur. D'accord. Il y a des conseils communaux qui ont été élus le 4 février, mais qui ont pris fonction un an après. Qu'est-ce qu'on fait de ceci? C'est le cas de Matoto. Matoto, on a entretenu des situations compliquées. Mais c'est un an après que le conseil a été mis en place.
En dépit de Matoto, il y a d'autres conseils à l'intérieur du pays qui ont été également mis en place 6 mois, 8 mois, 8 mois et 1 an après. Qu'est-ce qu'on fait de ces différents conseils? Moi, c'est mon problème. En tout cas, si on parle des mandats. Voilà, si on parle de mandat, mm-hmm. moi, c'est mon problème. Aujourd'hui, Mori est dans son droit, en tout cas, de proposer aux Guinéens, avec la proposition peut-être de ses localités, des dignes fils de ses régions, d'être parmi ceux-là qui peuvent diriger les communes. Mais ce sur quoi je ne serais pas d'accord, c'est faire aussi la sélection des pro-CNRDI. Ça, ce sera une façon de prolonger juste le coup d'État. Puisque dans ce pays, quand quelqu'un n'est pas dans ton esprit, vous le prenez pour ennemi. Et aujourd'hui, c'est le cas. La sélection sera faite de sorte que chacun des responsables au CNRD, dans le gouvernement, puisse mettre son cousin, son neveu. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Ibrahim Sorilin Consuma. Emmanuel Milimono pour clore. Je pense qu'il faut sortir de la naïveté, s'il vous plaît. Des gens ont été élus le même jour, n'ont certes pas pris fonction le même jour. Et le mandat commence à courir à partir de l'installation. Si vous le permettez. Le mandat commence à courir à partir de l'installation. On va laisser Emmanuel terminer. Allez au bout de ses idées. Il y a ce que l'on pense, il y a ce que l'on veut, il y a ce qui est. C'est la différence entre le vouloir et le possible. Les gens ont été élus le même jour. N'ont certes pas pris fonction le même jour, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'on organise une élection locale et ensuite, un an après, on vient organiser l'élection locale de Matoto. 6 mois après, on va organiser l'élection locale de Beredou. Après, 8 mois après, on va organiser l'élection locale de Panziazou. Au prétexte que les gens n'ont pas pris fonction le même jour, il faut sortir de cette naïveté. C'est pas possible. Ça ne se fait pas. C'est impossible que pour. Même si les gens ont été élus le même jour, mais ils n'ont pas pris fonction le même jour. Qu'est-ce qui a causé cela au départ? Il faut remonter à ces combines politiques, justement, dont ces élus eux-mêmes sont l'émanation. Parce que ce sont les combines politiques de l'époque, le torpillage même du code électoral qui a conduit à ces retards-là, à ces mises en place de ces élus locaux. Pourquoi est-ce que les acteurs à l'époque n'ont pas pu exiger peut-être le respect des procédures en la matière pour que tout soit fait au même moment? Ce qui s'est passé, c'est l'histoire, on va dire d'ailleurs, la conclusion de toutes ces erreurs politiques-là finalement, qui a en quelque sorte donner naissance à la fragilité institutionnelle dans laquelle on s'est retrouvé et qui a donc ouvert donné le flanc à la prise du pouvoir par l'armée. Maintenant que cette armée a pris le pouvoir, il ne faut pas qu'on continue aussi, encore une fois, dans la naïveté, penser que tout sera forcément légal, comme on le dit. Moi, je l'ai dit tantôt, il y a ce qui est prévu, il y a ce qui est écrit, il y a ce que l'on veut, mais il y a ce qui est la réalité. Et parfois, on parle de la réelle politique. Vous ne pensez pas que le CNRD va croiser les bras. Il y aura une bataille dans la distribution des postes au niveau de ces délégations spéciales. Il y aura cette bataille, il faut l'accepter. Cette bataille, elle existerait même dans un régime normal. Maintenant, quand on parle de durée de mandat ou j'ai suivi Khalil parler des conditions dans lesquelles les délégations spéciales doivent être mises en place, je rappelle que cela, c'est dans un contexte normal, dans un contexte démocratique, dans un contexte légal. Sauf que ce n'est pas le contexte. Nous sommes dans un contexte quand même qui a violé déjà. On est dans un régime d'exception. On est dans un régime d'exception qui a prévu un chronogramme pour l'organisation des élections, même si on estime que ce sont les élections qui doivent remplacer ces délégations spéciales, à partir de ces mairies, avant l'installation des nouvelles, à partir du moment où le concept de délégation spéciale existe, un président démocratiquement élu, il les a dissoutes, il a mis en place des délégations spéciales pendant des années. Alpha Condé, il a gouverné avec des délégations spéciales pendant plus de 5 ans. Qu'est-ce que les gens ont dit? Maintenant que quelqu'un qui a pris le pouvoir par effraction vous annonce que dans un mois, votre mandat va expirer. Parce qu'on n'a pas dit ça à Alpha Condé, attention. On n'a pas dit à Alpha Condé que votre mandat va expirer en 2026. Donc en 2026, on va vous renverser. On n'a pas dit à l'Assemblée nationale, votre mandat va expirer en 2027. Donc en 2027, on va vous renverser. Attention, ce sont des institutions, si on parle de démocratie, elles sont plus démocratiques. Elles sont revêtues d'une onction démocratique plus puissante que celle des élus locaux. Parce que les élus locaux, ce n'est que la commune. Ouais. Le président, c'est national. L'Assemblée nationale, c'est national. C'est l'ensemble du peuple de Guinée qui s'est prononcé. À partir du moment où on a dissous ces institutions, mais il faut arrêter la naïveté de penser que les communes seront protégées. Attention, sortons de cela, il faut voir les choses en face. Parce que ce qui fait aussi
L'erreur dans l'anticipation des choses, dans l'évaluation des choses, c'est justement cette naïveté à vouloir fermer les yeux et ne pas regarder la réalité et rester dans les principes. Mamadou Boy. Alors, vous savez, nous sommes dans une situation d'exception due à ce coup d'état militaire qui aujourd'hui a chamboulé. Est-ce que c'est parce qu'on est dans une situation, dans une période d'exception, qu'il faut carrément faire fi à la loi? Non, pas du tout alors, Khalid. Pas du tout. Alors, la loi, elle doit demeurer la loi, elle doit être respectée et tout le monde doit être pris vraiment au même pied d'égalité en matière de la loi. Mais ce qu'il faille quand même souligner, c'est que comme je l'ai dit, nous sommes dans une situation d'exception. Moury Kondé, certes, à date, la loi lui confère... Moi, je veux qu'on parle du ministre, forcément de la personne. Bon, d'accord, le ministère de la situation du territoire. Les gens peuvent être amenés à penser qu'on est focus sur la personne du ministre. Non, ce n'est pas sa personne qui nous intéresse. Il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt sur les ministères qu'il dirige. Alors, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est dans son rôle. La loi lui confère cela. À partir du moment où le mandat de ces conseillers... Quelle loi? Attendez, Khalil. Non, on ne parle pas de loi. On va laisser Oui, terminer, Khalil. Mais quand il dit la loi lui confère, je ne suis pas d'accord. D'accord. Quelle loi? Je pense que jusqu'à preuve du contraire... Vous aurez votre temps de parole. Jusqu'à preuve du contraire... Allez-y, Boy. Certes, nous sommes dans une situation d'exception, mais nous avons des autorités en place. C'est le CNRD. Oui. Qu'on le veuille ou pas. Nous avons un gouvernement. Nous avons un gouvernement en place. Nous avons un CNT aussi. Certes, il y a le coup d'État, mais pour autant, l'État doit continuer. Donc, il faut quand même donner le crédit à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, que jusqu'à preuve du contraire, c'est à eux, n'est-ce pas, de conduire les affaires courantes de l'État. Donc, entre guillemets, comme ils puisque de toute façon, s'il y a coup d'État, c'est qu'il y a rupture constitutionnelle, donc il y a entorse à la loi quelque part. Si en tout cas, on va dans ce principe-là. Donc, je dis encore une fois, les délégations, ces conseillers communaux, leur mandat, en tout cas, le mandat est terminé et l'État doit continuer. Dans ce cas de principe, il faut les remplacer par les délégations spéciales. Moi, le plus important pour moi... Il n'y a pas une urgence. D'accord, quelque part... Allez-y, Boy. Quelque part, on peut dire qu'il n'y a pas une urgence. Continuez. Mais moi, ce qui me semble important, moi, je voudrais quand même que le choix de ces délégations spéciales se fasse dans un esprit qui, n'est-ce pas, permet à ce que ces communes respectives soient dirigées par des personnes en qui les citoyens de ces communes se reconnaissent. C'est tout. Ça, c'est très important. Ça devait être l'exigence du citoyen. Si on va dans l'amateurisme, ça veut dire que, quelque part, il y aura des problèmes. Parce que ces citoyens, n'oubliez pas, vivent dans ces communes. Et ils connaissent en amont quelles sont les personnes qui sont capables de partager leur quotidien, quelles sont les personnes capables de faire face à leur situation dans ces communes respectives. Donc, encore une fois, aujourd'hui, cette tâche est dévolue au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, mais faites en sorte que les délégations spéciales qui vont être mises en place émanent de la volonté des citoyens dans ces communes respectives. Khalil Camara, très rapidement. Écoutez, moi, je n'ai pas dit que les conseils communaux devraient rester sur place. J'ai été très clair. Je ne voudrais pas quand même qu'on fasse comprendre aux Guinéens que l'expiration du mandat des conseils communaux est une cause de la mise en place de la délégation spéciale. C'est ce que je voudrais préciser. Je voudrais dire, c'est-à-dire au ministre de l'administration du territoire, que le coup d'État continue. Qu'on aille au niveau des communes, qu'on dissout les communes. C'est ce qui a été fait. Voilà. Mais vouloir, c'est-à-dire respecter la loi quand ça vous plaît, ça vous arrange. Et quand ça vous arrange, et la violer quand ça ne vous arrange pas, ce n'est pas correct. Vous avez dissous les conseils communaux sans respecter la loi. Maintenant, vous voulez nous faire comprendre que l'expiration du mandat des conseils communaux est une cause pour la mise en place de la délégation spéciale. C'est ce qui n'est pas le cas. C'est aussi sûr que clair que cela. Voilà. On est quand même pas naïf. Maintenant, pour la composition de la délégation spéciale, vous voulez que ça réponde à quel critère? Quel critère? Que ce n'est que des choix personnels, que ce n'est que des exigences personnelles, c'est ce qui va se passer. Oui, voilà. Surtout que il faut comprendre le code dont il est question, le code électoral de 2016. Il faut comprendre que c'est une loi taillée sur mesure par l'ancien président Alpha Condé. Donc il a tout fait pour diriger. C'est pourquoi j'ai parlé des acteurs politiques à l'époque qui sont passés par des combines politiques et qui ont créé la pagaille. Non, pas du tout. C'est pas que lui. Cette loi a été votée à l'Assemblée nationale et des partis ont marché en Guinée pour qu'elle soit révisée. Écoutez. C'était pas sa volonté. On l'a plutôt tordu. Par exemple, pour la composition de la délégation spéciale, on dit les membres de la délégation spéciale sont nommés par arrêté du ministre de l'administration du territoire. Sur proposition du représentant de l'État dans la localité, ce qui est le préfet. Mais c'est tellement banal. Mais par quel critère? Non, le préfet va voir sûrement
quelles sont les personnes avec qui il a des relations. Ouais. Et puis il va composer la liste, il va présenter ça au ministre de l'administration du territoire qui va entériner par arrêté. C'est illogique. C'est pourquoi il était important de dissoudre plutôt tous les conseils communaux. Moi, je n'ai pas dit de ne pas le dire. Il faut le faire en tout. C'est un coup d'état. Il faut le faire en tout. Voilà. Mais ne donnez pas l'impression ici, voilà, la loi a été respectée de l'autre côté. N'invoquez pas la loi. N'invoquez pas la loi. Restons dans le coup d'état, dans le contexte des coups d'état. Mm. Le coup d'état aussi va être perpétré au niveau des conseils communaux. Mm. Bien, alors, qu'est-ce qu'il faut craindre, Ibrahim Sorelin Kontsouma? Bon. Qu'est-ce qu'il faut craindre? Il n'y a rien à craindre, tout est déjà fait. Non. Alors, Abakar Kondé, je vous renvoie la question. Aujourd'hui gouverné par une famille. Parce que vous allez vous retrouver. Le préfet va choisir ses cousins, ses cousines, ses petits-neveux. Après, il va proposer au ministre. Le ministre, est-ce qu'il a un droit de regard? Je ne sais pas trop. Mais après, c'est des gens qui vont être confirmés. Et finalement, on va être géré par des gens. Donc, ça veut dire que si l'école, toi, tu as des problèmes avec le cousin du préfet, ça veut dire que tu n'as plus maintenant. Tu es personne non grata dans ta localité. Donc, il faut faire extrêmement attention. Je pense qu'on a dit un coup d'État. Le coup d'État, c'est le 5 septembre 2021. Le coup d'État va s'imposer sur toutes les institutions qui n'ont qu'à nommer les gens qu'ils veulent. Quand on finira avec ce coup d'État en décembre 2025, et puis voilà, on vient maintenant dans la normalité. J'ai dit, il n'y a rien à craindre. Il ne faut pas s'attendre au meilleur. C'est moi qui ai la parole, Condé. Voilà. Merci beaucoup. Tu hésites de dire la vérité. Non, merci, Condé. Allez-y, en une minute. J'ai dit qu'il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Pourquoi? Tout est déjà fait. Actuellement, la démarche est au niveau des recommandations. Chaque responsable de l'appareil d'État est en train de recommander au niveau de sa localité. Donc tout est déjà fait. Les citoyens n'ont pas droit au choix. Ça sera imposé et rien à craindre, c'est déjà là. Mmh. Mais voilà. D'accord. Ibrahim Sorelin Kontsouma, le vieux très très barbu. C'est ce qu'on pouvait dire comme essentiel, hein, mesdames et messieurs, sur cette annonce faite donc par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé, qui annonce que les conseils communaux seront tous remplacés par des délégations spéciales à partir donc du 18 février prochain. Le supplément d'infos se poursuit dans un instant. FM. J'entends ici et là, médias hostiles, médias rebelles. Oui, caricaturés et accommodés sous toutes les coutures, mais en réalité, nous sommes un média ni pour ni contre. FIM FM, la vérité chevillée à l'âme. FIM FM, média du peuple pour le peuple. FIM FM, média républicain tout court. FIM FM, même pas peur. FIM FM, le supplément du débat hot, des analyses pointues, de l'information triangulée. Le supplément, c'est aussi des enquêtes fouillées, des interviews choc. FIM FM, le supplément, votre supplément d'âme et de débat tout court. FIM FM, le supplément. Le débat politique ne s'arrête pas sur FIM FM. L'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Ibrahima Khalil Diallo. Avant de prendre la direction de la capitale sénégalaise pour retrouver M. Ibrahim Alissa Faye, journaliste sénégalais, on va relayer quelques messages puisque vous êtes très nombreux à réagir, bien entendu, aux différentes thématiques débattues dans cette émission. Le général Baylo qui nous écrit et qui nous dit ceci. Khalil, attention, le CNRD et son ministre Charles White ont inventé une nouvelle infraction dans le code pénal. Participation à une réunion non déclarée pour incarcérer Abdourahmane Sano. Eh bien, c'est général Baylo donc, qui nous le dit. Une autre réaction, celle de Kalinko. Bonjour Khalil, c'est là Souleymane Diallo Kalinko. Avec le privilège de départ du CNRD ne sera pas facile. Ils ont fait 2 ans. Jusqu'à présent, ils n'ont pas fixé la date des élections. Où allons-nous? Ils vont compléter le mandat d'Alpha Condé. Oladi Dogomé aussi nous écrit. Bonjour à vous, monsieur le président de la Ouma, l'éternel. Bonjour aux supplémentaires et bonjour à Dogomé. Moi, je n'arrive toujours pas à cerner le vrai sens de l'État. Je doute de cette assertion.
qui dit que l'État, c'est vous, c'est moi et c'est nous tous. J'ai l'impression que chaque gouvernement agit pour lui-même et contre le peuple. Pour la délégation spéciale, c'est aux jeunes ressortissants et résidents d'imposer une gestion saine. Donc, soyons acteurs de développement de nos localités et non des observateurs. Inch'Allah, Dogomé sera une référence dans ce sens. La Guinée est un pays suspendu. Soyons très sérieux. Et pour une transition réussie, c'est Oladi Ibrahima, gouverneur et porte-parole des territoires de la Houma, qui nous envoie ce message. Et bonjour Khalil, attention, pour le cas de Kapo-Oraï, il y a un litige autour de nos domaines. Le dossier est pendant devant la Cour de justice de la CEDEAO. C'est une affaire complexe, le combat n'est pas terminé. Et bien c'est Mamadou Sambasso, porte-parole des victimes de Kapo-Oraï, qui nous envoie ce message. Une autre réaction, celle de Abdoulkarim Mouloba, le général, et qui nous dit « Bonjour mon cher Khalil, le président de la Houma, et c'est Abdoulkarim Mouloba. Il faut souligner que la Guinée a une élite bien formée et dont le patriotisme manque. C'est ça le malheur de la Guinée. Par contre, nous aussi, nous nous préparons pour Hilde Dalaba. » Et ben voilà. Merci beaucoup, mon cher ami. Un autre message. Bonjour les chroniqueurs de supplément. Et nous sommes au regret de constater que le phénomène de suicide prend de l'ampleur dans notre pays. Pour éradiquer ce fléau, il faut que l'État, en tout cas, prennent des dispositions adéquates en impliquant les sociologues, les historiens, les anthropologues afin de connaître les causes réelles de cette mauvaise pratique. C'est par Issiaga Dugrain, Fim Matoto et Déviation. On va s'arrêter là-dessus. Le temps pour nous, mesdames et messieurs, de poursuivre cette émission, cette fois-ci, avec notre invité depuis la capitale sénégalaise et aussi au compte de la rubrique Le Hard Talk. Fim FM. Érigé en boussole, pour qu'aucun acte d'effort du moment ne brime les plus faibles. Pour que tous, nous soyons traités d'égal pied, sans immixtion aucune du pouvoir des princes qui nous gouvernent, est-elle en voie de devenir plutôt celle des vainqueurs? Les vaincus, ainsi, systématiquement, aveuglément, voués aux gémonies, voués à la guillotine. Fim FM, rempart contre une justice à deux vitesses. Fim FM, le supplément, l'art de disséquer, de retourner l'actualité sous toutes ses coutures. C'est aussi la magie de la dialectique constructive en vue d'une Guinée nouvelle. Fim FM, le supplément d'énergie positive pour une Guinée émergente et vertueuse. Fim FM, le supplément. Le supplément Art Talk, l'interview choc. Le journaliste sénégalais Papale Niane, j'espère que je prononce bien, renvoyé en détention depuis 2 semaines et pour des informations de nature à nuire à la défense nationale, est extrêmement éprouvé par sa grève de la faim. Selon donc ses avocats, son état de santé est devenu très préoccupant après son refus de suivre le traitement des médecins à l'hôpital principal de Dakar, où il a été évacué le 24 décembre, a indiqué la coordination des associations de presse, une confédération syndicale, est dans un communiqué publié récemment. Pour en parler, c'est Ibrahima Lissa Faye que nous recevons comme invité exceptionnel. Il est directeur de publication du site d'information presseafrique.com. Il est également le président de l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, membre de la coordination des associations de presse. Bonjour, chers confrères, bienvenue. Oui, bonjour, chers confrères. Emmanuel, c'est un plaisir de participer à votre émission et je salue tout le peuple du guide de la Guinée. Alors, Ibrahim Lissa Fall, on parle du cas justement de Pape Alé Niang qui est en détention, il faut le rappeler, depuis un peu plus de 2 semaines déjà. D'abord, est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit? Parce que on aimerait bien faire comprendre l'affaire. Est-ce qu'elle est liée à une question de liberté d'opinion ou est-ce que quel est en réalité les faits qui lui sont reprochés? Papa Alenia, il lui est reproché diffusion d'une information militaire sans autorisation de la hiérarchie, recèle les documents administratifs estampillés secrets et diffusion de fausses nouvelles tendant à saper le moral des troupes. Voilà les 3 chefs d'inculpation qui y sont attribués à Papa Alé Niang. Et il y a 4 articles du code pénal qui sont visés également ici. Et juste pour dire que ça date du 6 novembre 2022,
il a été enlevé dans la rue de manière rocambolesque parce qu'il était en train de réparer ses pneus et la police est venue l'arrêter en pleine rue dans des conditions vraiment dignes, en tout cas d'un pays autocratique. Alors, il a été placé en garde à vue et le vendredi 9, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Bien. Mamadou Boy. Oui. Alors, Ibrahim, aujourd'hui, notre confrère, il a été inculpé. Vous êtes revenu sur les chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Mais quel est aujourd'hui son état? Parce qu'on nous apprend que son état de santé est dégradé. Revenez-nous sur son état de santé. Comment il se porte aujourd'hui? Et à votre niveau là-bas, les associations de presse, la corporation, comment est-ce que vous vous mobilisez en termes de lobbying pour pouvoir, n'est-ce pas, obtenir la libération de notre confrère? Son état de santé se dégrade de jour en jour. Papa Alenia observe une grève de la faim depuis 18 jours maintenant, qu'il est retourné en prison. Bien, d'accord. Allez, Ibrahim Sori Lenkonsouma. Tout soin, tout traitement. Et donc, pour vous dire que son état de santé est très critique. D'accord. Allez. C'est pour ça qu'une demande de liberté provisoire a été déposée par ses avocats avant même. Disons l'avis de clôture du juge pour espérer en tout cas une liberté provisoire et que la procédure se poursuive. D'accord. Allez, Ibrahim, est-ce qu'il y a des actions engagées au niveau de la corporation sur place puisque la solidarité en pareille circonstance elle est importante? Ah oui. Il faut dire que depuis le 9 novembre, nous multiplions les actions. Nous avons eu à faire des rassemblements et nous avons eu à faire une marche et on est en train de faire la visite des familles religieuses. Nous avons déjà fait l'église catholique, nous avons déjà fait les laïens, nous avons déjà fait les Nyassen. Demain, on va faire, on ira à Medina Bay chez les Nyassen. Donc, pour vous dire que pas plus tard qu'hier, on était dans une veillée pour demander encore sa libération où on a éteint toutes les lampes, on a allumé des bougies, on a scandé libéré Papa Alenia et les gens se sont succédés au micro pour dénoncer en tout cas ces dérives autoritaires. Eh bien, juste pour vous dire qu'en tout cas, la pression ne s'oublie pas et que de toute façon, on va dépoussiérer les points du plan d'action qui n'avait pas été mis en branle lors de sa première arrestation. Bien. Et donc, on va aller vers une journée ou des journées sans presse et également le gouvernemental. Bien. Et nous allons programmer aussi une nouvelle marche d'ici la semaine prochaine. D'accord. Donc, pour vous dire, nous, on ne s'oublie pas et que tant que Papa Alenia n'est pas sorti de prison, d'accord. Nous allons mettre les actions. Bien, d'accord. Allez, Ibrahim Sori Lenkonsouma. Alors, chers confrères, aujourd'hui au Sénégal, les gens parlent beaucoup plus peut-être d'une éventualité de troisième mandat de Macky Sall. Est-ce que dans vos mouvements, les gens font également allusion à ça? Qu'est-ce qui choque l'opinion en dépit de tout ce que vous avez dit ici à l'antenne par rapport au cadre de notre confrère? Bon, ce qui choque l'opinion, c'est le rétrécissement en fait, des espaces de liberté, liberté d'expression, liberté de marche, de s'exprimer et tout. Et aussi, effectivement, disons, cette troisième candidature est une menace pour la paix sociale parce qu'en réalité, beaucoup de membres de la société civile, d'acteurs de l'opposition sont vent debout pour, en tout cas, s'opposer à une troisième candidature. Alors qu'aujourd'hui, en fait, il y a le parti au pouvoir, en tout cas, des responsables du parti au pouvoir vont investir le président de la République, c'est-à-dire le président de l'APR, qui est le parti qui est au pouvoir. Donc, juste pour vous dire que donc, la tension est palpable, l'atmosphère est lourde et que nous ne sommes pas du tout certains de l'endemain meilleur parce qu'en réalité, en fait, les gens, ils ont peur de s'exprimer, ils ont peur en tout cas de manifester, ils ont peur de se révolter, mais la troisième candidature constitue une menace réelle pour la paix sociale au Sénégal. Bien, Ibrahima Lissa Faye est donc journaliste sénégalais en direct dans notre émission, allez-y. Alors, chers confrères, est-ce que, de façon peut-être un peu plus naïve, on peut lier ce fait de notre confrère à cette histoire de troisième mandat du président Macky Sall?
Non, moi, je pense que ces deux choses ne sont pas liées du tout. Il faut éviter de faire l'amalgame parce que le confrère, lui, c'est un journaliste et c'est dans le cadre purement professionnel que nous, nous le soutenons. Et ça, quand même, on ne badine pas là-dessus. Mmh. Et pour ce qui est maintenant de la troisième candidature, là, ce sont des membres de la société civile, mais aussi des membres de l'opposition qui s'érigent contre ça et qui mènent le combat. Nous menons le combat pour la libération de notre confrère, Pape Alenyan. Bien. Et nous espérons en tout cas qu'il sera, disons, libéré le plus rapidement possible parce qu'une demande de liberté provisoire a été déposée. Bien, une dernière question, Emmanuel Minimono. Monsieur Faye, est-ce que, en tant que professionnel des médias au Sénégal, vous pensez que les informations qui ont été diffusées par Pape Alenyan et qui lui valent aujourd'hui cette détention, est-ce que vous pensez que ces informations sont de nature à justifier ce qui lui arrive aujourd'hui? Du tout. On ne le pense pas du tout, parce que Pape Alenyan a été arrêté, inculpé et placé sous mandat de dépôt sur des bases complètement déroutantes et qui ne tiennent pas du tout la route, parce qu'en réalité, on lui reproche, la diffusion et également le recel de documents bien administratifs. Et donc, ces documents-là, c'est le message radio de la police lors de l'audition par le doyen des juges d'instruction d'Oscar Sierra. Oscar Sierra, c'est l'opposant principal à Macky Sall, Ousmane Sonko. Également aussi, en fait, la diffusion du communiqué des sapeurs-pompiers. Or, pour le message radio de la police... Allô? Allô? Ils ont eu à avoir ça sur le WhatsApp, ils ont partagé ça. Oui, vous me recevez? Voilà. Et maintenant, pour ce qui est du communiqué des sapeurs-pompiers, ça, c'est une note de service qui est affichée bien dans toutes les casernes, donc qui sont dans le domaine du public. Allez. Voilà. Merci beaucoup, M. Ibrahim Ali Safaï. Malheureusement, on est pris par le temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir qui est partagé. Merci. Voilà, Ibrahim Ali Safaï, directeur de publication de PresseAfrique.com et président de l'association des éditeurs et professionnels de la presse à ligne, membre de la coordination des associations de presse. Il était notre invité et ce matin dans le Hard Talk. FIM FM, le supplément. Le débat politique ne s'arrête pas sur FIM FM. L'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Ibrahima Khalil Diallo. Voilà, ça en est terminé. Nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro du supplément d'info. La dernière représentation de la semaine. Il a été conduit aux opérations techniques par Tierno Hassan Diaoné, assisté des gazelles Fatoumata Bari et de Saramba. Et du côté de la régie, il y avait le colosse Ibrahim Sylla, assisté à ce niveau du Golden Boy Ali Badra Kourma. Merci à tous de l'avoir suivi. Lundi, c'est l'Amazon Arisatou So, la toute nouvelle rédactrice en chef de Film Guinée, nommée donc ce samedi par Aboubacar Diallo qui sera aux commandes de cette émission. D'ailleurs, toutes nos félicitations à cette Amazon. Et d'ici là, prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. Restez surtout sur Film Guinée car le meilleur reste à venir. Et ensemble, restons concentrés. Film FM,